tension naïe comata et le médecin avait décidé pour bakoka kobimi samwana avant la date où baba naïe ko proposé pour bakoka accoucher et moi na bimaki moi mukena bolembo je crois mes mamies na awana pédiatrique à l'embelem. Maman Zali, Nesikoyo, Bapa Surakie, mais Moutungisi Mouzali. Que le Dieu de toute grâce. Amen. Asalila, yé grâce. Maman Amouana, Bazala, bonne santé. Prions. Oh, Zambé. Tout ton Dieu, Pétro Koumissio. Libanda Nayo, Moutoua Zate, Sitoa, le grand Dieu. Dieu véritable, le Dieu éternel, le Dieu de toute grâce. Le cœur de son nom, dans le nom de Jésus-Christ, le divin sauveur. C'est toi et toi seul qui fais tout et qui connais tout. Tu es le Dieu bon, vivant, vrai, le Seigneur du Seigneur, le roi du roi. Merci beaucoup. Amen. Et amen. Alléluia. Merci, comme on a vu Jésus-Christ. Jambé, Tata, Nakolo Yesu. Dieu Père du Seigneur Jésus. Boye, Boa, Bisson, et Sika, Eye. Notre venue en ces lieux. Et Zapo, Tosolola, Nayo. C'est pour nous entretenir avec toi. Bé, Libota, Liemberakio. Et le peuple est à nous chanter. Di Sanjolakio. T'as exalté. Et il n'y a pas longtemps tu nous as parlé. Ce que nous te demandons, qui tu enlèves l'incrédulité du cœur, le cœur des pierres, le cœur des pierres, et que tu me donnes un cœur de chair, afin que ta parole trouve de la place. Qu'elle soit écrite sur la table du cœur de chacun et que tu viennes la sceller par le sceau du Saint-Esprit. Seigneur, tout cela c'était pour nous. Tu pouvais quitter sa gloire, ta gloire, et accepter l'humiliation juste pour venir nous sauver. Tu as été humilié, mais tu n'as pas renié. Tu as accompli l'œuvre que le Père t'a donnée. Les résultats, c'est nous sommes. Que ton nom soit loué. La chanson qui vient demander, exauce-la. Quand la réponse viendra, l'honneur te sera rendu. Tu as que tu répondes aux besoins de chacun. Tout cela nous avons demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rester debout et nous lirons une écriture. Et après, nous allons nous rasseoir. Nous allons revenir au chapitre 17 des Jean, le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Amen.
Ngai na kembisaki yo na mabele. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Na sukisaki mosala moyo pesaki ngai na sala. Tika likulu ya litangi ya liloba yeme inzambe asopa mapambuli na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Est-ce que sur la lecture de la parole lui-même Dieu répande ses bénédictions au nom de Jésus-Christ? Togogova. Pouvons nous rasseoir. Na pesi banso bambo te ya bolingo pe ya bondeko na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Je vous salue tous fraternellement et avec amour au nom de Jésus-Christ. Toane sengo. Avons-nous la joie? Amen. Est-ce que tole mala? Avons-nous bien mangé? Amen. Si tu pouvais suivre la prédication d'hier, tu pouvais comprendre que c'est dans le même ordre d'idées. Dieu nous aime. Cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme, mais Moussala. Moyemé. Mais son œuvre à lui-même. Alléluia. Bato bazaka biloko yoye akosaleraka. Les hommes ne sont que des instruments qu'il utilise. Amen. Mais musali ezayemé. Mais l'ouvrier c'est lui-même. Yango tokoyaka wa. Quoi nous venons ici? Boye akoka ku utiliser biso. Pour qu'il puisse lui-même nous utiliser. Chacun de nous tel que nous sommes ici, tel que nous sommes appelés, nous sommes des instruments. Instrument ezaka prédicateur. L'instrument, ce n'est pas seulement le prédicateur. Chaque enfant de Dieu. Chaque personne. Motonyoso. Qui était appelé par Dieu lui-même. Aza instrument. Azali et Salelo. Be aza vase. Et il est un vase. Et vase est un instrument, ustensile. Et Azali et Salombe qui est Azali et Salelo. Loko la toko tanga ngwawa. Comme nous le lisons ici. Na 2 Corinthiens. Katina mi bale ba Corinto. Tuzutanga boy. Nous lisons ceci. Na chapitre. Oui. Je crois na chapitre 4. Na banze na moko pa minei. Izoko mama boy. Il est écrit ceci. Verset 7. Molongo Masambo. Nous portons ce trésor. Tozali komema bomengoyo. Dans des vases de terre. Katina bambeki yamabele. Beki yamabele zangana yo. Les vases de terre, c'est toi et moi. Mais à nous. Kaje pa nabiso. Dieu a placé un trésor. Katina biso nzamba tsaki bomengo moko. Et c'est nous qui le portons. Bo bisonde to komema yango. Le grand trésor de Dieu. Bomengo monene ya nzambe. Nous portons ce trésor. Toza komema bomengo yo. Dans des vases de terre. Katina bambe ki amabele. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Non pas à nous. Nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'a accompli pour nous.
Lobina butu penza. Hier pendant la nuit vraiment. Na banego so na bandeko baike. Je m'entretenais avec beaucoup de frères. Même de pays étrangers. Attends, Nabikolo Papaya. Et un frère que je ne connaissais pas encore auparavant. Abianga Kingai Utana Haïti. M'avait appelé depuis Haïti. Nakombo ya Manassé. Du nom de Manassé. Saint-Louis. Saint-Louis. Je crois. Manassé Saint-Louis. Manassé Saint-Louis. Be a sepelake Ming. Et il était très content. Yaluba kite ndeko tozale wana ici. Il a dit frère, nous sommes ici en Haïti. Mais tozana mwango ya ko invité. Mais nous avons le programme de vous inviter. Tozale ngo ndeko mususu ya moté. Nous avons un autre frère prédicateur. Enfin, nous sommes un autre. Nous sommes ici avec un autre prédicateur. Nakombo ya David Jean-Jacques. Du nom de David Jean-Jacques. Toujours na ici. Toujours en Haïti. Abe bozraki na ye na Montréal na Canada. Il dit vous étiez avec ce frère à Montréal au Canada. Et nous collaborons avec lui, voyant de quelle manière nous pouvons vous inviter ici. Ça, ce sont ses propres paroles. Dieu vous bénisse richement, mon précieux frère. Tiketenzamba pambala yo mingi ndekonanga na mutuya. Amen. Je suis votre frère Manassé Saint-Louis. Nazali ndekona yo ya mobali Manassé Saint-Louis. Depuis Haïti. Outa Haïti. J'ai l'habitude de suivre vos réunions et d'écouter vos prédications. Nazala kana momesano ya kolanda mayanga ni na yo mpe matea na yo. Il y a aussi le frère David Jean-Jacques. Ils allaient peine comme parler David Jean-Jacques. L'ancien de l'Assemblée des Petits Goaves et moi-même. Paka yakoyanga na ya Petit Goave na ngai moko. Avons le désir depuis longtemps à venir nous prêcher la parole de Dieu. Tozala ki na posa mingi utakala yakobenga yo oya kotelo bali nzambe. Mais la situation politique et insécuritaire du pays s'impose. Le frère Didier Tchitoun de Paris avait aussi l'habitude de nous visiter. Mais cela fait longtemps qu'il n'a pas venu ici. Il n'est pas venu ici. Alors nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Merci. Matonde. Yepelokola lobake na pesa bino bambote na kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Lui aussi m'a dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tosola kipe na ndeko Vianney ya Kigali, na Rwanda. J'ai causé aussi avec le frère Vianney de Kigali au Rwanda. Yepe alansaki la même invitation. Yepe atina kimbela moko moko wana. Mais tutika ki yango na maboko mankolo. Nous avons remis cela entre les mains du Seigneur. Po soko eutina ye yemei akokisa. Car si ça vient du Seigneur, que lui-même puisse accomplir cela. Atindira kipe kuyanga na bambote na kombo ya Yesu Kristo. Le frère aussi salue l'assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nazaki koloba nous portons ces trésors dans des vases de terre. Tozali komema bomengo yo kati na bambeki ya mabele. Pourquoi? Nantina nini? Pourquoi des vases de terre? Nantina nini katina bambiki ya mabele?
Si tu viens un peu ici dans Romain, au chapitre 9, Esa citation et outil dans le livre à Jérémie. C'est une citation qui vient du livre de Jérémie. Et puis Nkolo Azaki Azolo Baboy. Et le Seigneur disait ceci. Verset 20. Vous n'avez pas trimballé. Ô homme. Ô moto. Toi plutôt. Yo Zokande. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Ozali nani pona kobenda na nzambe. Le vase d'argile. Mbekio ya mabele. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Ekoloba na yeo ya yemaki yango. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Bona nino sala kingai bongo. Non. Te. Amen. Ok. J'ai entendu. Vase wana d'argile. Mbeki wana ya mabele. L'argile c'est la terre. Argile ezali mabele. Amen. Et vase wana. Et ce vase là? Nde homme. Ezali nde moto. Oui, ok, alors, oh homme. J'ai entendu, il a dit, oh moto. Amen. Toi plutôt. Yo, Zokande. Qui es-tu? Ozalinani. Pour contester avec Dieu. On a kobenda na nzambe. Le vase d'argile. Mbekyo ya mabele. Ou de terre. Ya mabele. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Et kolobano ya yemaki yango. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Bona nino sala kingai bongo. Si tu lis en bas ici. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Pwete asala na liboke moko moko wana mbeki ya lokumu pe mbeki mosusu ya kosalela mpamba. Oui. Yo. En tant que maître Lokolankolo de l'argile ya mabele, le potier peut le faire. Moye mbeki akoki kosala yango. Et que dit? Si cela est possible avec le potier. Et que dire si Dieu, le véritable potier, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, c'est Dieu miséricordieux a supporté avec une grande patience. Supporter. Des vases de colère qui sont prêts pour la perdition. Il les a fort supportés. Et c'est Dieu là. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Parce qu'il y en a d'autres qui sont des vases de colère. Mais nous sommes des vases de miséricorde. Et ces vases de miséricorde que Dieu a d'avance. Tiboso, à d'avance préparé pour la gloire. D'autres vases pour la perdition. Et nous pour la gloire. Amen. Amen. Et au verset 24, ainsi, Nabongo, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, kakate yuda, mais encore kasilisusu, d'entre les païens. Pagano.
et les vases d'honneur parmi les païens. C'est nous. Par la grâce de Dieu. Mais à nous, qui sommes des vases d'honneur, étant des vases de terre, n'étant que l'argile, nous portons ces trésors. En nous, nous qui sommes des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Et encore, en tant que vase, oui, 2 Timothée, nous lisons ceci, chapitre 2. Il y a le biboy. Il dit ceci. Abi na Timothée. Il dit à Timothée. Verset 22. Mon Mbale. Non. Verset 19. Mon gros mazomi na libwa. Pour gagner du temps. Na kozantango. Togo kozwa verset 20. Kozwa mon gros Mbale. Dans une grande maison. Kati na ndako ya monene. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Et il n'y a pas seulement que ça. Surtout dans une grande maison. Là, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. N'y a pas là. Mais il y en a aussi dans la grande maison des vases de bois et de terre. Amen. 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 Maintenant, tous ces vases se trouvent dans une grande maison. Les uns. Voyez, sont qui alors? Les uns sont des vases d'honneur. Et les autres sont d'un usage vil. C'est ce que nous trouvons souvent dans une grande maison. Et l'église, c'est la maison de Dieu. C'est la grande maison du Seigneur. Il est le maître de sa maison, de son église. Amen. 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 Il y a beaucoup de vases. Si donc, quelqu'un dans l'église se conserve pur dans la maison de Dieu. Si quelqu'un se conserve pur, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, des choses comme quoi? Ces choses-là, les voici. Nous allons entendre ça. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, des choses pamba pamba, des choses inutiles, cet homme, Motuana, il y sera Yakozala, un vase d'honneur. En tant que vase d'honneur, sanctifié. Oui, santisami. Un vase d'honneur sanctifié. Bekimoko ya lokumu et santisami. Maintenant, ça, ça puis, utile. Oui, à l'itomba. À son maître. Et pas une encolonaye. Utile à son maître. Un tel vase Bembe kiandengwana, propre
Reselingui. À tout bonheur. Namosala nyoso malamu. Deux fois. Dans des assemblées du message, il y a un slogan. Ça, ce sont des vases. Oh, moi, je suis un vase. Mais qui ne l'est pas? Nous tous, dans la maison de Dieu, nous sommes des vases. Pas seulement des ayants de dons. Chacun est un vase dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, conservons-nous purs. Gardons-nous purs. Abstenons-nous de toutes des choses fausses, des fausses choses, de tout péché, des choses du monde, des fausses doctrines. Éloignons-nous de toutes ces choses. Pour que nous soyons dans la maison de Dieu des vases d'honneur, sanctifiés, lavés, nettoyés, purifiés et propres pour tout bonheur. Amen. Amen. Jamais dans la maison, aucune femme a ya salité servir peut prendre un gobelet sale et y mettre de l'eau à boire. Non. Même mutuyo kopesa ye maiwana. Même la personne à qui tu vas donner. Attends, mais ça y a propre. Même l'eau. Mais comme la coupe est sale. Mais comme le gobelet. A omelaté. Il ne va pas boire. S'il en est ainsi, levons la main. Je crois aujourd'hui, vous entendrez que nous qui sommes prédicateurs, moi je suis un vase de Dieu. Il ne faut pas me regarder. Qui es-tu pour me juger? C'est-à-dire, je peux tout faire. Je peux me conduire. Je peux me conduire mal. Vous voyez? Oui. Il faut me laisser tranquille. Dans la vase, frère. Ne regardez pas la vase. Mais regardez au contenu. Non. Contenu d'ailleurs est caché. C'est le contenu. Oui, à Katsi, c'est ça que bombe à Makoutou. Mais on a la vase. Ce que je vois, moi, c'est le vase. Amen. Amen. Mais ce qui va, c'est la salité. Ce qui me fait que c'est la salité. Pour moi, c'est la salité. Même si le contenu peut être propre. Attends, c'est la même si le mais moi, je vois que le contenu. Non, mais là, bon, peto ya maiwanati. Je ne boirai pas la pureté de cette eau-là. Et puis, non, salité. Je te trouverai toi-même. Moi, si la salité. Sale femme. Servir batouté. C'est pas servir les gens. Tu ramasses les gobelets n'importe où. Amen. Est-ce que c'est pour l'aider? Est-ce que c'est clair? Et je disais à un groupe de serviteurs de Dieu ici à Kinshasa. C'était dans l'assemblée de Malemba. Ezaki na koyanga na Malemba. Qui était conduite par notre bien-aimé frère Fortuna Nyanga. J'étais arrivé en retard. Parce que j'avais d'abord hôpital clinique universitaire. Parce que j'avais commencé par l'hôpital aux cliniques universitaires. Et un frère prédicateur m'a appelé. De comment tu m'as bien appelé. Frère, tous allés on a quatre à moi réunion pourquoi pas salir ça. Nous sommes ici dans une réunion de serviteurs. Mais bon, il y a qui a été. Vous ne m'avez pas prévenu. Bon, yagaga. Viens quand même.
Je suis allé, je les ai trouvés. Nakuti vers la fin. Alors, tu n'es en réunion, Israël, un prédicateur qui vit mal. Le but de la réunion, c'était Motei, Oyazali Kopika Mabe. Yo bandako lobaka na français, attention ngana lobi na français, jongera ngana na français, ti sokalité. Très bien. Oyoke bato ya ici bazola. Ah voilà. Bakoyoka lingala te. Ngaina kende pai na jongé pai. Na golo ba na français, na golo ba na lingala. Ce que peut moi anglais ko ti likambo ezate. Très bien. Mais yo tikana na lopoto. Voilà. Oui. Yo. Frère. Bandeko. Que faisons-nous d'un prédicateur qui prêche bien? Mais lui-même dans sa vie, vit mal. Qu'allons-nous faire avec un tel prédicateur? Les uns ont dit, un tel prédicateur, par exemple moi, dans l'église, il ne prêchera pas. Les autres ont dit, pour moi, à côté, il va prêcher. Parce que ce qui nous importe ici, c'est le contenu. Mais lui, c'est un vase. Mais un vase de terre ou d'argile. Kasibomengo. Mais le trésor, c'est la parole qui est dans ce vase-là. N'allons pas regarder les vases. Regardons les trésors qui est dedans. Il va prêcher même s'il vit mal. Alors il est là qui a queue de poisson. Ah, c'était terminé en queue de poisson. Motoramoto a se positionné dans le camp. Chacun s'est positionné de son côté. Il est resté sur son camp, sur sa position. Alors frère Nyanga, modérateur et à réunion. Le modérateur de la réunion. Alors bien Joseph. Il dit Joseph. Oye na retard, na kosele au moins résumé mouké. Tu es venu en retard, mais je te ferai un petit résumé. Pourquoi qu'on soit une idée. Pour que tu puisses avoir une idée. Et à Saïlinga et moi résumé. Il m'a fait un petit résumé. Et j'ai eu une idée. Et j'ai eu une idée. Na obi d'accord. Abi d'accord. Mais na zana ma komi ma balé. Mais j'ai deux écritures. Matthieu 18, 15. La première écriture, c'est Matthieu 18, verset 15. Amen. Si ton frère a péché, va. Va. Reprends-le. Reprends-le. Entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. Je dis alors, qui peut me lire cette écriture en français? Vous savez que moi, je n'ai pas étudié. Qui peut me faire la lecture? Frère Frank Mbaya Bongolo. Frère Frank Mbaya de Bongolo. Alors, Joseph, paie sa Bible. Il dit, Joseph, donne la Bible, je vais lire pour toi. Merci, frère. Il dit, merci, frère. Il prend la Bible et il ouvre. Si ton frère a péché, va. Va. Reprends-le entre toi et lui seul. Je pose la question. Qui parle ici? Yes. Les prédicateurs répondent, c'est Jésus. À qui s'adressait-il? Balobi et pas Bayeko. Il dit s'adresser aux disciples. Précisément, Bayeko liango banani. Précisément, ces disciples-là, c'était qui? Balobi Bantoma. Ils disent des apôtres. Bantoma basalaki banani. Des apôtres qui étaient-ils? Batei. Des prédicateurs. Bisotoza banani. Nous qui sommes-nous? Batei. Des prédicateurs. Donc, est allé libaté. Alors, ça concerne les prédicateurs. Comme Macamora est payé à bandivité. Mais ramène. N'a pas été, il peut pas ça concerner. Les prédicateurs aussi sont concernés. Les prédicateurs de ce jour-là, c'était qui? Tout en ébisons aux 12 apôtres. Tous on a lu les 12 apôtres. Ah, mais d'accord. Ah, mais d'accord. Sikoyo, banani bazali kola 12 apôtres. Maintenant, parmi nous, qui sont comme les 12 apôtres? Tous nous avons levé la main. Bon. Alors, Franck, Ogoti a combo ya apôtre wana yebande. Je dis, Franck, tu vas citer le nom des apôtres du début. Jean. Jean. Si Pierre a péché. Si Pierre a péché. Va. Va. Reprends-le. Reprends-le. Entre toi. Entre toi. Et lui seul. Et lui seul.
D'accord? Amen. D'accord, amen. Et s'il t'écoute? Et s'il t'écoute? Si Pierre t'écoute? Si Pierre t'écoute? Tu as gagné Pierre. Tu as gagné Pierre. Mais si Pierre ne t'écoute pas? Mais si Pierre ne t'écoute pas? Ne t'arrête pas, Jean. Ne t'arrête pas, Jean. Prends avec toi. Prends avec toi. Matthieu. Matthieu. Et Barthélemy. Et Barthélemy. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Non, mais bon, ouais, non, 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 non. Je dis alors, ça c'est Franck. Leur temps. Franck. Allez. Tu as combien de bataille au Bazaria? Place maintenant le nom des prédicateurs qui sont ici. Franck. Franck. Si tu n'as pas péché, va. Va. Reprends-le entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. Si tu n'as t'écoute, si t'écoute, tu as gagné l'Iran. Tu as gagné l'Iran. S'il ne t'écoute pas, si pas, prends avec toi. Prends avec toi. Georges Mboma. Georges Mboma. Et Nyanga Fortuna. Nyanga Fortuna. Nalobi bon. Awa tolobi ke motei wana. Je dis bon. Oye ako bika mabe. Tokangeli e kuke ate ate. Nous lui fermons la porte. Est-ce que toi applique ki bon aye molongo yo liboso? Avons-nous appliqué sur lui premièrement ce verset? Procédure na tolanda ki ango. Avons-nous suivi cette procédure là? Frère amonika ka bon privé ye cher. Le frère aye bitina te. Il ne connaît même pas la raison. Comment va-t-il revenir à l'autre? Où est l'amour que dont nous aimons les frères? Maintenant, si tu lui prouves ta chair, mais les autres l'ouvrent la chair. Frère, changer comment? Comment ce frère-là va-t-il changer? Comment va-t-il se repentir? Donc, je ne soucie que y a qu'un enlèvement. Là où tu ne te soucies pas que ton frère puisse aller dans l'enlèvement. Donc, pour Nabisso, Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Et Koufa. C'est il est mort. Procédure ou ne s'agresse. Cette procédure-là n'est plus d'application. Amen. 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 Ok. Restons là, laissons ça. Ici. Et de ici. Tolobi tozo talande vase. Nous disons que nous regardons les vases. Tozana besoin kaka ya contenu. Nous avons besoin que du contenu. Il y a trésor ezana kat. Du trésor. Mais vase ezana tinate. Mais le vase n'a pas d'importance. Total la vase était. Total la grande contenu. Nous regardons le contenu. Bon, yo tozo tala vase. C'est pour qui nous regardons les vases. Tozana besoin à contenu té. Ici pour eux nous regardons les vases. Bamonko, oui, tozana besoin ka ya contenu mais vase était. Ah, les autres nous avons besoin du contenu seulement et non du vase. Ah oui, d'accord. Je dis d'accord. Tozoa de Timothée. Prenons de Totang de Timothée tozana aussi. On a lu 2 Timothée que nous avons maintenant. Nalobi, bon, banani bazaba maria. Je dis alors, qui sont mariés ici? Monsieur, je te tombe. Tous nous avons levé la main. Banani bazui moi aussi, moi je suis ayé na kati andako. Qui a une femme, sa propre femme dans la maison. Toyaki na renyawa. Comme son nom. Tango tokozonga. Quand nous retournerons. Nani ko sebre de moi si na ya servir ye maito bilia. Qui voudrait que sa femme lui serve de l'eau à manger ou à, de l'eau à boire ou à manger? Bisoban. Tous avons levé la main. Bilia eza contenu. La nourriture c'est le contenu. Maito gomera ako servir biso eza contenu. L'eau à boire. Mais tala ba vase. Mais regardez les vases. Eza ba san. Ce sont les assiettes. Ba kibakula. Les bols. Na kopo. Et le gobelet. Mais madame elle a mis biroko penza ya bien ya kito. Mais madame Oyolingak. Elle a fait le plat que tu aimes. Mais déjà eza fraîche. L'eau fraîche. Na boy makasi boy. Avec ce chaleur. Boko ko kitisa ta motem. Que tu puisses t'apaiser quand même. Okombe boy chéri nzambe apambola. Tu arrives chéri que Dieu te bénisse. Mbe bébé na yo azo sakana. Et le bébé joue, ton bébé joue. Et madame ya kayalo abotoli e kopo. O ya zo sakana na. Madame arrache le gobelet. Na mbala moko azu murange ya mai. Et du coup ye wana tondi seli yo mai ya pro. Et te rempli le gobelet là de l'eau. Nani akomelango. Qui va boire cette eau là? Bisoyonso. Ata moto moko te. Tous on a répondu personne. Mais nous avons besoin de contenu. Nous contenu ça qui tombe ça pro. Mais regardez le contenu. Mais ton boy comme la pona nini. Pourquoi refusons-nous de boire? Bon vase est sale. Parce que le vase est sale. Au bibi no bon anko. Je dis vous,
Vous êtes comment? Vous refusez de boire l'eau qui vous est servie. Vous voulez faire boire aux enfants de Dieu de l'eau dans des vases sales. Comment ça? Est-ce que c'est nécessaire que verre pepe tolama? Est-ce que c'était nécessaire? Assiette un pepe tolama. L'assiette aussi. Avant ya koti ya biliat o mai nakati. Avant de servir de l'eau ou à manger dedans. Et nous sommes balisés à la porte. Et que tous les deux soient propres. Kakawana. Juste là. Vieux nyanga lobi. Le vieux nyanga dit. Terminé. Alléluia. C'est la conclusion. Et c'est la conclusion. Nous avons failli sortir un terrain commun. Maintenant, nous avons trouvé un terrain commun. C'est-à-dire, si tu vois un frère d'amour, exhorte-le. Avant de lui priver la chair. Et le frère qui vit mal, ne le laisse pas avec son mal. Nous avons fini. Nous avons Joseph, il a fallu que vous ayez. Et c'était fini. Alors, on a reçu qu'on cuisinait là. Les soeurs nous ont apporté des bols. Elle commence à placer des verres. Et chacun. Avant de boire. Il prend d'abord le gobelet et dit je regarde. Est-ce que c'est propre ou c'est propriété? Est-ce que le vase est propre ou pas? C'est comme ça, frère. Le vase. Il veut pétolam. Doit être purifié. Avant de le servir, le vase doit être purifié, lavé, sanctifié. C'est pourquoi la deuxième étape de la grâce est appelée la sanctification. Pourquoi la sanctification? Ils ont purifié le vase. C'est le nettoyage du vase. Vase qui contient la salité, n'engage pas de ramasser en haut. Le vase peut pas. Chacun de nous a été ramassé. Dans une poubelle. Dans ce monde pourri, du péché et de l'incrédulité. Et Dieu nous a ramassés. Et il nous a justifiés. En nous jetant dans les eaux du baptême. Ça c'est la justification. Mais malgré cela, nous gardions nos mauvaises habitudes. Chacun gardait ses mauvaises habitudes. Mais il a fallu la sanctification. Malgré que le sang nous a sanctifiés dans notre âme intérieure. Mais attention, il y a des mauvaises choses dont nous continuons à les faire. Parce que nous étions habitués. Et c'était devenu pour nous une habitude, une coutume. Et c'était difficile pour toi qu'on commence à débarrasser Nabila Kobina. C'était difficile pour que nous puissions nous en débarrasser. C'est pourquoi. Elles ont des fausses doctrines, même des mauvaises habitudes. La parole de Dieu, qui est la vérité, est là pour nous sanctifier. Père, sanctifie-les par ta vérité. Pas par ma vérité. Pas par ta vérité à toi. Ou la vérité de quelqu'un d'autre, mais par ta vérité, toi, Père. Et ta vérité, c'est moi. Moi qui suis ta parole. Je suis ta vérité. Et sanctifie-les par moi. Moi qui suis ta vérité. Ta parole. Amen. Amen.
Et l'homme de Dieu, William Branham, disait. L'homme de Dieu, William Branham, disait. Sanctifier signifie quoi? Sanctifier signifie quoi? Signifie rendre pur. Rendre pur. Rendre saint. Rendre saint. Rendre propre. Rendre propre. Et la sanctification? Et la sanctification? C'est un mot composé. C'est un mot composé. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Laver. Laver. Ou purifier. Ou purifier. Ou nettoyer. Ou nettoyer. Et mis à part. Et mis à part. Pour un service. Pour un service. Amen. D'abord, il faut nettoyer le vase. D'abord, il faut nettoyer le vase. Avant de l'utiliser. Avant de l'utiliser. Il doit passer par le lavage. Le vase doit passer par le lavage. Par la purification. Par la purification. Et après l'avoir purifié. Et après l'avoir purifié. Après l'avoir nettoyé. Après l'avoir nettoyé. Vous le mettez à part. Vous le mettez à part. Dans l'armoire. Dans l'armoire. Nakatia vitrine. Dans la vitrine. Ni au mettre en haut à part. Là, le mettre à part. Ou séparer en haut na misusu. Tu les sépares des autres. Ma chère, ba yebi en haut bien. Les sœurs. Nga ben na yebi po na bana ko aider yaya. Moi aussi je ne sais pas. Ah on a qui chante ba nosu ko la pe ba san. Ici à qui je faisais aussi la vaisselle. Chogo yaya boti. Quand la grande sœur. Nga ina zo sukola ba san. Moi je faisais la vaisselle. C'est ça. Et ce que ma salle n'y a sur la salité, elles a stocké. Si toutes les assiettes sales sont stockées, tu prendras chacune, tu jettes dans l'eau. C'est la justification. C'est ça la justification. Malgré la salité, oyo, elles ont mis la carte. Malgré la salité, tu jettes tout dans l'eau. L'eau qui est dans le bassin. Et au bandit qu'on le compte à moko na moko ko bimisa ko na mai. A sorti chaque. Et au bandit qu'on nika, qu'on nika. Et ça na mai mosu su pembe. Et au bogi na mai ouais ça pembe nous on est à port. J'ai dans l'eau propre maintenant. Et nansima au bimisi à mon salité nyon serongo. Après tu retires de là toute la saleté. Et au kamati et donc on y a pas pangu sac. Tu prends la serviette. Serviette. La serviette tu essuies. Tu essuies, tu essuies. Tu essuies la serviette. Néo armoire. Après tu mets dans l'armoire. Bati a gan armoire à te basani ou tu go débarrasser na mesa. On met pas. Et ça na salité. Madame et boité. Madame pas comme ça. Toh mademoiselle. Oh mademoiselle. Basa on ne fait pas comme ça. L'eau tu bas tu go utiliser yo jongisi angokuna. La cuillère que tu utilises directement tu mets la vitre. C'est pas comme ça. Nous nettoyer te. Ça la faire nettoyer tu n'as pas encore nettoyé ça. Donc ce que moni nandako. Si tu vas dans une maison. Ba veri tandami na vitrine. Les basaniza na vitrine. Les assiettes dans la vitrine. Eza ba vazo eza nettoyé. Ce sont des vases déjà nettoyés. Et ba mettre en haut à part. Et on les met à part. Kuzelaka un service. En attendant un service. Et le service est dans le temps au patron, le chef. Le service c'est quand le patron le fait. Il a soif. On peut le contacter, il y a salité. On peut le contacter, il y a la vitrine. On peut le contacter, il y a la vitrine. En service. Mais là, tu mets le vase en service. Nous sommes ici, Maï. Maï, il y a un contenu. Alors, merci à chef. Donne à ton chef qu'il puisse boire. Est-ce que c'est comme ça? Sœur, c'est que les arabongo. La sœur, ça se passe, ça doit être comme ça. Yo, ogolokota kopo na mabele ojeri mobali na. Tu ramasses un gobelet sur la tête. Yo, le qui makelele. Si tu parles, on voit tu exagères aussi. Tu vas te dire au calme. On était si calme. Yo, ye obandi. Dès que tu es arrivé, tu commences. Yo, koko kabata kopo mususu te. Tu vas ramasser un autre gobelet. C'est que moi qui dois ramasser ça. Ojo mombo na yo yo bala. Tu as pris un esclave. Oh yo somba na mbongo ango soki mbongo ango zaki combien? Une esclave que tu as acheté à prix d'argent. Obalanga ine na lokolo ya moto. Tu m'as acheté avec un pied une jambe. Obalanga ine na lokolo ya moto. Tu m'as doté par un pied d'homme. Tu m'as doté par un pied d'homme. Voilà. C'est ça. Soki mbongo mbongo ba kujoki zalo mbongo na ona lungwe pe na. C'est de l'argent, on va te le rendre. Ngaika kanga na yo. Seulement toi et moi. Je manquerai l'enlèvement à cause de toi. Voilà. C'est mieux que je serve Dieu. Et la Bible l'a dit d'ailleurs. Si la femme veut se séparer, qu'elle ne soit pas. J'accepte des raisons comme ça, mensonge. La Bible n'a pas dit ça.
Bible dit na sœur ya bo malibala. Que la Bible pour ça. Nous avons j'ai la répudiation. Le Dieu qui dit j'ai la répudiation. Akoko salangote. Peut pas le faire. Tika. Bongola de motema. Répands-toi. Salama kamundenge sege. Fais les choses comme il se doit. Prédicateur, ce que nous avons bien aimé, l'indissangai, bondera pour nangai. Si je vis mal, prie pour moi, exhorte-moi. Personne n'a un droit à gogangé la moto, ce que paye que l'indissayo. Personne n'a le droit. Même les motiers, même les pasteurs. Même les prédicateurs, même les pasteurs. Même les prophètes, même les apôtres. Même le prophète ou l'apôtre. Ce que cela qui m'aime, bah qu'on l'indissayo. Si tu as mal agi, on va t'exhorter. Amen. Amen. Et humilie-toi. Et humilie-toi. Mikitisa misokisa ndima. Humilie-toi, reconnais. Ndima, réponds. Accepte les reproches. Bongola motem. Répands-toi. Et bongisa dikambonayo. C'est comme ça que nous sengeli ko tambo. C'est comme ça que nous devons marcher. Exacte au kokolo ko verset, il y a Romains 14. Qui es-tu? Oh, qui es-tu? Pour juger un serviteur d'autrui. Pour juger un serviteur d'autrui. Et qui n'est pas serviteur d'autrui? Il y en a qui n'est pas serviteur d'autrui. Qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Je ne sais pas trop, bazaba serviteur était. Parce que ces gens ne sont pas des serviteurs. Moi, je pense que vous n'êtes pas des serviteurs. Chacun de vous sert Dieu. Chacun de vous sert Dieu. Nous sommes tous au service du Seigneur. Nous sommes tous au service du Seigneur. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Ses serviteurs et ses servantes. Nous les servons lui. Nous les servons lui. Personne ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Et nous ne servons qu'un seul maître. Et nous ne servons qu'un seul maître. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen les affaires. Alors, qui es-tu? Tu ne viendras pas m'intimider en disant qu'est-ce que tu es. Pour juger un serviteur d'autrui. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Parce que moi aussi. Parce que moi aussi. Je suis aussi un serviteur d'autrui. Je suis un serviteur d'autrui. L'autrui là. L'autrui là. Nous le servons tous. Tous nous le servons. C'est parce que tu prêches. Diacre est un serviteur. Le diacre est un serviteur. Ancien est un serviteur. L'ancien aussi est un serviteur. Sœur est un servant. La sœur est une frère est un serviteur. Le frère. Nous le servons lui. Nous le servons lui. Dans le service du Seigneur. Dans le service du Seigneur. Ne soyons pas des paresseux. Ne soyons pas des paresseux. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Avec ferveur. Ferveur. C'est ce qui est écrit dans Romains. C'est ce qui est écrit dans Romains. L'épître aux Romains. L'épître aux Romains. C'est une épître spécifique. C'est une épître spécifique. Adressée à l'église tout entière. Adressée à l'église tout entière. Autant que la Bible. Vous voulez lire? Oui. C'est ici. Maintenant, ce n'est plus le temps des intimidations. Yo, qui se fait serviteur à mon aïe, Pierre. Toi, être Pierre, il a mandat, il y a ba clé. Et tu, plus que Pierre, qui a reçu les clés. Est-ce que regarde qui? Est-ce que moi, je le dépasse? Et bon, Paul, à Pamela Gaïté. Et Paul ne l'a-t-il pas blâmé? Ne lui a-t-il pas fait des remarques? Yo, mon Pierre, il a dit. Est-ce que tu as vu Pierre se fâcher? L'arbre est reconnu par son fruit. L'arbre est reconnu par son fruit. Moté yo azo boya correction. Le prédicateur est autant que l'esprit qui l'anime est faux. Ça montre que l'esprit qui l'anime est faux. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Non, Bagini. Dans Romain. Romain. Voilà. Yango. C'est ici. Dans le chapitre 1, au chapitre 1, tous nous savons. Cet épître n'a pas été envoyé à un prédicateur. Non, non. Ça a été envoyé à tous les croyants. À toute l'église de Rome. Donc, ce que tu as dit, le chapitre 1, si tu lis au chapitre 1, c'est l'épître à eux. C'est leur épître à eux. Yango, verset 14. Verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares. Je me dois aux Grecs et aux barbares. Aux savants et aux ignorants. Aux savants et aux ignorants. Ainsi. Ainsi. J'ai un vif désir. J'ai un vif désir. De vous annoncer aussi l'évangile. De vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. À vous qui êtes à Rome.
Amen. À vous qui êtes à Rome. À vous qui êtes à Rome. Ce que tu es, Awa, dans chapitre 12. Si nous venons ici au chapitre 12. Verset 9. Au verset 9. Il dit ceci. Il dit ceci. Aux Romains. Aux Romains. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Boling. L'amour. Et jalate ya bilongi mibale. Que l'amour soit. Et janga bokosi. Qu'il soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Oyetali mabe bojongo na somo. Pour ce qui concerne le mal, ayez la. Mabe zapona bino loko a somo. Que le mal soit pour vous en horreur. Quelque chose d'horrible. Dis, je suis horrifié par le mal. Amen. Et là, on a somme, bah pour son agapembe de nangouti. On approche à Tanguaka. On s'éloigne de quelque chose d'horrible. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Bukangamanamakasinyoso namalamu. Attachez-vous fortement au bien. Et là, on a mabete kokangamakanango. Ne vous attachez pas. Kangamakana et là, on a malam. Attachez-vous seulement au bien. Namakasinyoso. Fortement. Par amour fraternel. Par amour fraternel. Soyez plein d'affection. Soyez plein d'affection. Alors, vous avez la Bible française? Oui. Voilà. Nabolingo ya bandeko. Par amour fraternel. Botonda na bolingo bamoko pona basoso. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Botonda. Soyez plein. Ezalate ya muke. Ça soit pas à moitié. Mais ya meke meke. Mais qu'il soit plein. Kolinga na bamoko na bamususu. En faisant mal les uns les autres. Na lukumu. Par honneur. Bosalelana kokebisana bamoko pe basusu. Usez des prévenances réciproques. Alors, il faut osaler la prévenance. Tu dois user des prévenances. Non, je ne peux pas dire ceci à mon frère. Amen. Je ne peux pas lui répondre. C'est ça, prévenance. C'est ça, la prévenance. Osons prévenir, Makam. Tu préviens les choses. Nous de peur qu'il y ait de problème avec quelqu'un. De peur que je lui fasse quelque chose. De peur que je lui fasse quelque chose. C'est ça, la prévenance. C'est ça, user de prévenance. Bozo, ayez du zèle. Kasite goy goy. Et non de la paresse. Hein? Non. Mais posa ya moto moto. Mais du zèle. Bozo la kaba goy goy te na makambo ya nzambe. Ne soyez pas paresseux quant aux choses de Dieu. Mais bon pela moto moto na makambo etaleli nzambe. Mais soyez zélé pour ce qui est de Dieu. Soyez fervent d'esprit. Ne soyez pas frileux. Mais fervent. Mais fervent. Servez le Seigneur. Maintenant, quelqu'un qui sert le Seigneur, vous allez l'appeler comment? Serviteur. Serviteur. Comme l'assemblée Mobima, servez le Seigneur. On écrit à toute l'assemblée, servez le Seigneur. Quand tu reprends ce croyant, il est ton serviteur ou bien serviteur du Seigneur? Il n'est pas un serviteur d'autrui? Pourquoi tu lui fais des remarques? Lui aussi peut te répondre. Qui es-tu? Pour me juger. Pour me juger. En ma qualité de serviteur d'autrui. En ma qualité de serviteur d'autrui. Je ne te sers pas toi. Je ne te sers moi pas je toi. Sers Dieu. Moi je sers Dieu. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. C'est ça. C'est ça. Donc, tout ce qui est modèle. Nous devons être des modèles.
Pour que les croyants soient attentifs. Si un enfant de Dieu vient me dire tout le monde qui me parle là, je ne discute pas avec eux. Jamais. Je n'ai jamais discuté avec un croyant ici. Mais beaucoup viennent me voir, frère. Qui a vu mon humeur changer? Et tu as des démons. Tu es ceci. Oh, tu es ceci, c'est là, tu as des démons. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Mais je ne croirai que le conseil de Dieu. Mais je ne croirai au conseil de Dieu. Si ton conseil ne vient pas des Écritures, si ton conseil je ne l'accepterai pas. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour corriger. Et utile pour corriger. Ne faut pas venir me corriger avec tes pensées, avec mon coco, avec tes coutumes. Avec ta coutume. Mais il faut m'amener une Écriture. Il faut m'amener une Écriture. Bon, je viens de te corriger avec l'écriture. Parce que l'écriture nous règle nous tous. L'écriture nous règle nous tous. C'est le réglage de Dieu. Le réglage de Dieu. Comme un pneu avec une jante cassée. Il faut battre l'antenne au temps pour on doit voir les chemins par lesquels nous sommes passés, qu'ils soient droits. Il faut on doit nous redresser de toutes parts. Avec et c'est avec les Écritures. Et c'est là avec les Écritures. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Je crois que. Chacun de nous a un vase. Chacun de nous est un vase. Et de ces vases-là, ce que nous avons gardé pur, nous gardons pur. Le Seigneur a utilisé chacun de nous le Seigneur autant convenable, autant convenable, au moment voulu. Mais si quoi est bon, il a utilisé là où il doit être utilisé. Seigneur, le Seigneur n'a pas d'autre vase. S'il veut voir des choses, il utilisera que toi et moi. Tu verras une vision. Le Seigneur te donne une vision. Et quand tu vas dormir, tu te gardes. Tu te gardes. Il n'a pas besoin d'utiliser n'importe qui. Parce que nous, ces vases, nous sommes là. Pourquoi va-t-il aller à même si mais à l'ingi penzande, le vase que lui-même a déjà utilisé. Il peut les utiliser à son travail, à son service. S'il voudra parler en langue, et langue on est à l'interpréter, à utiliser bouche mon sous-outé, kaka bouche ya yonangai. Ta bouche est la mienne. Et Frère Franck disait, chacun de nous a une responsabilité. Dieu l'a appelé ici pour une cause, une raison, un motif. Un motif. Ne laisse pas. Oh, on a non. Ça c'est pour eux. Est-ce que Dieu t'a dit que toi tu n'as rien à faire là-bas, c'est seulement eux. Osa na verset robi bongo. As-tu un verset qui dit cela? Il n'y en a pas. Yo vanande ko vanda. Toi reste assis. Na mona kana vitrine ya mosi na ngai beaucoup d'assiettes. Je vois dans la vitrine de ma femme beaucoup d'assiettes. Mais comment on a gagné cette chose dans les colons? Mais tu vas venir okay, à elle voit, elle prend ça. Elle peut commencer par là. Bah, c'est du qui est belé. Si c'était pas bien. Elle sort même ça. Mais ces assiettes-là attendent leur tour. Les faire de même. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais si on peut te signer qu'on a la bongo. Chacun qu'on a la calme. Chacun reste tranquille. Dans l'attente que, le maître pourra m'utiliser. Il finira m'utiliser. Il finira par m'utiliser. Mais si qu'on est bongo, tu es dans la wana. Là où je dois être. Il utilise les uns parmi nous. Il utilise les uns parmi nous. Que
Alléluia. Par des alléluia. Et ça, alléluia, il y a comme un collaté. Pas des alléluia, limité, non, non. Et ça, il y a poussé par l'Esprit de Dieu. Ça vient pas poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une habitude. C'est pas une habitude. Parce que souvent, amen. Les autres seulement par amen. Poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est même pas une habitude, amen. C'est pas une habitude. Non, non, non. Quand la parole est prêchée, la parole est prêchée. Ayoki na motema tout ami. Ça dans le cœur. Père, amen. Il dit amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Oui. Les autres, ils les utilisent. Dès que les cantiques sont dans ta façon de battre les mains. Ça ne sera pas comme toi. Les autres, tu chantes en ils chantent avec joie. Tu le vois transpirer. C'est comme ça que le Seigneur fait des choses. C'est comme ça que le Seigneur fait des choses. Est-ce que ça pour les... Est-ce que c'est clair? Mais sous son coup, c'est qu'utiliser par quoi la prière. Les autres, le Seigneur les utilise par des prières. Yo monika kopera ki boye. Oyo ki malam. Tu te sens. Mais yebite qui a prié? Et tu ne sais pas qui a prié. Attends, on doit encore toi prier. Mingi babonde la gâte. Beaucoup ne prient pas. Beaucoup ne prient pas. Non. Le président Biden. Comme le président Biden. Bon, laissons ça. Voyez-vous. Que Dieu nous aide. Mais il y a d'autres personnes. Même s'il ne prie pas longuement. Kaka quelques mots wana. Passe quelques mots là. Di bondeli na yezo ya yezo topola mapata. Sa prière perce les nuées. Tout droit pas yada. Il va tout droit à Dieu. Et tu vois la réponse venir. C'est lui qui a prié. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Mais les gars, moi, tout y a ni ni. C'est importante. Si quelqu'un se conserve pur. Se garde pur. En s'abstenant de ces choses. Un tel frère. Une telle sœur. Sera un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître. Sois quand même utile à ton maître. Kuzalate nakati andako ya Nzambe inutile. Ne sois pas inutile dans la maison de Dieu. Oh. Depuis on dit mais c'est inutile. Depuis que tu as cru, tu es inutile. Omoni batebele bazako kanisa ke akomi utile soki pasteur ayebie. Tu penses que beaucoup de gens pensent qu'il est soki pasteur abenga kaya prier. Si le pasteur l'appelle à prier le soki badia greba edakaye azai utile. Là il est utile. Non, utilité n'a besoin c'est pas ya ba frère été. Utilité n'a besoin c'est pas ya maître. C'est vis-à-vis du maître. Et pas yanzambe. Adieu. Ne jalaka utile. Alors sois utile. Utile et pas yanzambe na yo. Utile à ton Dieu. Donc nzambe zo mono ke d'assemblée lingwala. Mundi mio ya za utile. Ce croyant ici est utile. Vase yo ne vase utile. Ce vase est un vase. Nakati assemblée ya lingwala. Dans l'assemblée de lingwala. Mokoloni diagre ya kuitilize yo. Quel jour le diagre? Mokoloni le frère ya kuitilize yo. Quel jour le frère? Mokoloni le pasteur ya kuitilize yo. Quel jour le pasteur? Toi un prédicateur. Ou un prédicateur. Celui qui nous utilise tous. Qui nous utilise tous. C'est Dieu. Par son esprit. Nous sommes ses instruments. Ses vases. Amen. Est-ce que ça pour l'aider? Est-ce que c'est clair? Dans le bien, est-ce que ça pour l'aider? Est-ce que c'est clair? Oh, maman, on n'a pas mal d'assemblée. On me trouve inutile dans l'assemblée. Tu veux qu'on te voit comment? Qui? Ce que pamba, et t'as dit, on te voit inutile, c'est pas ton problème. Ce que maman, on a le goût, par personne. Si on te trouve avec. Qui va te faire entrer au ciel parmi les gens, tous les gens ici? Qui t'amènera à l'enlèvement le jour de la patrie? Personne ne vous a. Qu'est-ce que l'homme va te faire? Non. Non. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Il est mon berger. Il est mon berger.
Il est mon pasteur. Il est mon pasteur. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Il me fera quoi? Qu'est-ce qu'il me fera? Pourra me faire quoi? Qu'est-ce qu'il pourra me faire? Même si je suis un bon, même si mes un jour, un autre jour, même s'il refuse pas, mais il peut manquer. Pour me le donner, à quoi? Il peut manquer l'argent pour me donner. Tu vois? Tu vois? Mais Dieu ne manque de rien. Ne manque de rien. Dieu est le possesseur du ciel et de la terre. Dieu est le possesseur du ciel et de la terre. C'est le propriétaire. C'est le propriétaire. L'argent et l'or. L'argent et l'or. Yaye. Sont à lui. Batu yaye. Les hommes. Bange yaye. Église yaye. Eri musatu yaye. Saint-Esprit à lui. Bomo yaseko yaye. Enlèvement yaye. Mourakot. Le millénium à lui. Dieu est un richeur. Dieu est un riche. Voilà. Voilà. Le Seigneur dit, j'ai achevé. Le Seigneur dit, j'ai achevé. L'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre que tu m'as donné à faire. Et chacun de nous. Et chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme œuvre à faire? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme œuvre à faire? C'est important. C'est important. Il t'a donné quoi? Il t'a donné quoi? Pour que tu fasses quoi? Pour que tu fasses quoi? Pour que tu fasses quoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce que le Seigneur Dieu t'a donné à faire? Tu n'as pas, tu ne t'es pas mis. Tu viens seulement à l'assemblée. Tu viens à baptiser, tu restes et tu ne sais pas ce que tu dois faire. C'est comme quelqu'un qui dit être engagé à l'onatra. Et alors, il part, mais il ne sait pas. Tous les matins, je vais au boulot. Je vais au boulot. Quel est ton boulot? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Faut savoir. Si tu ne sais pas encore, demande. Voici ton travail, fais-le. Tu pourras aussi dire comme le Seigneur. Tu pourras aussi dire comme le Seigneur. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Dieu avait donné à Moïse une œuvre à faire. Dieu avait donné à Moïse une œuvre à faire. Et il l'avait achevé. Et il l'avait achevé. Après Moïse, il avait donné à Josué. Et après Moïse, il a donné à Josué. Josué a fait son œuvre. Josué a fait son œuvre. Et il l'a achevé. Et aussi l'a achevé. Et tout au long des âges. Et tout au long des âges. Dieu donnait aux hommes. Dieu donnait aux hommes. Chacun son œuvre à faire. Chacun son œuvre à faire. Il pouvait commencer cette œuvre là. Il pouvait commencer cette œuvre là. Et arriver à l'achèvement de son œuvre. À l'achèvement de son œuvre. Dans l'Ancien comme aussi dans le Nouveau Testament. Dans comme aussi dans le Nouveau Testament. Cela est écrit dans nos Bibles. C'est écrit dans nos Bibles. Et nous pouvons les lire. Et nous pouvons les lire. Pas seulement le Seigneur Jésus. Pas seulement le Seigneur Jésus. Paul aussi. Paul aussi. Pierre aussi. Paul, Pierre, Jean aussi. Pierre, Jean aussi. Timothée aussi. Timothée aussi. Sylvie aussi. Sylvie aussi. Gide aussi. Gide aussi. Tite aussi. Tite aussi. Même Marie, maman, yes. Même Marie, mère de Jésus. Dorcas. Dorcas. Tous, chacun a fait. Même si tu étais petit. Mais il reconnaissait que je suis là pour faire ceci. Nous trouvons des sièges propres. Nous trouvons des sièges propres. Combien de fois on a Je viens pousser les chaises ici. Je viens ici seulement, je m'assois. Oh, j'arrive, au lieu de suivre la progression, je commence déjà à dormir. Mais il y a quelqu'un qui vient faire ce travail. Il sert le Seigneur. Et il le fait pour le Seigneur. Alléluia. Toujours propre, propre. Vous trouverez des vins ici toujours propres. Vous ne trouverez pas des emballages ici. C'est-à-dire des papiers. Des papiers. Vous ne trouverez pas des papiers traînés ici. Vous ne trouverez pas des sachets. Vous trouverez pas des même des biscuits. Ou des biscuits. Mais nous amenons des biscuits. Tu ouvres les biscuits. Tu pars et tu les sachets. Quand tu es dimanche, c'est propre.
propre. Tu trouves l'endroit propre. Nani asala. Qui fait ça? Tu y es déjà. Yo kan si moto na zo sala ko zwa rémunération te pa yanza. Tu penses la personne qui fait ça ne sera pas rémunérée par Dieu? Chacun a une œuvre à faire. Chacun a une œuvre à faire. Amen. Yesu azo sambela wate pona evro yangai. Jésus n'est pas pour nous ya yo. Pour ton pour nous ya biso. Pour notre. Mais oyo njambe apesa ka ye asala. Pour l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Oyo ya yo ezanini. Quelle est ton œuvre à toi? Ozana evro ya kotonga kaka ba frère. Tu as ton œuvre seulement de critiquer les frères. Evre ya kotonga kaka ba sœur. L'œuvre de Kaka koloba mabe ya batu ya yo evre ya kota dala sa. Parler à mal des autres, c'est ça ton œuvre. Est-ce que tu es en train de construire ou de détruire? Maintenant tu es en train de construire ou de détruire? Ton œuvre c'est la destruction ou l'édification? Bien l'édification. Ce que tu fais là, ce que tu fais là, c'est pour détruire ou pour construire? C'est pour détruire ou pour construire? Quelle est ton œuvre dans l'assemblée? Quelle est ton œuvre dans l'assemblée? C'est important. C'est important. Vous voyez, bah, nasaka nini? Faut savoir qu'est-ce que moi j'ai fait là-bas. Yo, mutu panda ojoa baptême. Depuis que tu as eu le baptême. Kota la kaka bilamba ba sœur ba la tak. Tu veux regarder les habits que portent les sœurs. Kota la kaka ezaleli ya bato basus. Tu veux regarder les comportements. Bongo ya yo moko. Maintenant toi-même. Amen. Yo koko mita la yo moko te. Je veux pas te regarder toi-même. Yo tala ka kitala tala ndengeni. Comment tu regardes le miroir? Soko tay na kitala tala omona akaba to mosus. Quand tu regardes le miroir, tu vois. Et lumine yo moko ebima kakuna te ponani. Ton propre visage n'est pas reflété là-bas, pourquoi? Kitala tala yo tala ka ndengeni boye. Dans le miroir, tu regardes comment finalement? Ou bien ba tala ka boye. Ou regarde devant, on se place devant le miroir. Ya yo boye. Toi c'est de côté. Boyete. Pas comme ça. Kolo azoya. Le Seigneur vient. Azozonga kalamingi. Seigneur revient sous peu. Amen. Baringa mikati na kolo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mututé akosuki sa musala moye. Personne n'achèvera cette œuvre. Njambe oyo abandaka ngo. Le Dieu qui l'a commencé. Yende akosuki. C'est lui-même qui va l'achever. Amen. Kokoti sa njambe te na musala. Il y a frère Franck. N'ingère pas Dieu dans l'œuvre de frère Franck. Njambe appelle ça frère Franck Moussala. Dieu a donné une œuvre à frère Franck. Njambe utilise ça kaye. Dieu l'avait utilisé. Bon, Franck a ça la Moussala. Oh, il y a appelé ça kaye. Ou que frère Franck fasse ça. Asali, asali, asali. Il a fait. A combien de soukou à Moussala naye. Il arrive à la Alors, fin. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Tu m'as donné à faire. Amen. Amen. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? J'ai achevé même la course. Amen. J'ai combattu le bon combat de la foi. Pas je continuerai à combattre. Je continuerai à combattre. Mais j'ai combattu. C'est au passé composé. Là, c'est au passé composé. Maintenant, on m'a relevé. On m'a relevé. Amen. Pour que je devienne. Un ancien combattant. Pour ne plus aller au front. Terminé. Je dois me reposer. Amen. Parce que j'ai combattu. Même la course. J'ai couru. Et j'ai achevé la course. Je ne peux plus courir. Terminé. C'est fini pour moi. Ma bête est piololo. On a sifflé. Ce que j'attends. C'est-à-dire la couronne. La coupe. La rémunération. Amen. 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 Yo et le connu nous ça. Que fais-tu toi? C'est comme Dieu avait demandé à Élie. À qui, Jézabel? Il fuit Jézabel. Mais que fais-tu ici, Élie? Et Dieu lui demande, que fais-tu ici, Élie? Oh, mais à mon moment, il y a eu un peu de mal. Oh, dans ton avis, il y a beaucoup de difficultés. Moi, je suis allé à Katangaï Kingo. Cette femme veut me décapiter.
Il va te décapiter, je suis allé. Il t'arrache à moi, il te décapite. À moi que je t'ai c'est-à-dire que je puisse entériner. Que je sois d'accord avec ça. Amen. Chacun de nous, a une œuvre à faire. Même la sœur qui a fait les assiettes. Son œuvre. Son œuvre à elle. Salé yango. Fais-le. Même dans nos maisons, quand nous grandissons, même quand on a eu des enfants, si on peut s'y mettre, tu as donné une tâche à chaque enfant. Il termine, il s'assoit. Il peut se placer. Il peut aller faire la lecture. Il peut aller se reposer. Il peut aller se reposer. Quand maman viendra, quand elle va revenir, elle va trouver ce qu'elle est en train de faire. Elle est déjà finie. Je l'ai fait. Et je l'ai fini. Yoga ko bala. Tu n'as rien à faire. Dilo banza bebe pona ko tosa ko tosa. Même pour opérer la porte. Ozo talaka de baninga. Tu regardes les autres. Bongo yekuna saka boete. Et l'autre là ne fait pas. Bongo yekuna saka boete. Et l'autre ne fait pas. Kaka ngai pona ni. Seulement moi pour toi. Yo yaka wa pona batu be pona yomo. Tu viens ici pour les autres ou bien pour toi-même? Yo nanu yebinti na lobi kote. Tu connais même pas les salut. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Si tu viens pour l'enlèvement. Et l'enlèvement aussi est individuel. L'enlèvement aussi est individuel. L'un sera pris et l'autre laissé. Et l'autre est laissé. L'un, voilà, c'est l'individu. L'un là, c'est l'individu. Pas beaucoup seront pris. Pas beaucoup seront pris. Non. L'un. Des deux. Des deux. Cette nuit-là. Dans cette nuit-là. Dans un même lit. Dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Ou l'une sera prise, l'autre laissé. Donc de deux personnes. De deux personnes. L'une sera prise. L'une sera prise. Et l'autre laissé. Et l'autre laissé. Parce que l'enlèvement c'est individuel. L'enlèvement est individuel. Si nous jouons ensemble. Mais pour na ko longwa ko tika ko bima na njoto, muto na moto. C'est individuel. C'est individuel. Les uns viendront l'autre viendront de Bukavu. L'autre de Bukavu. L'autre de Rwanda. L'autre du Rwanda. L'autre de l'Ouganda. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, ben, individu. Ce sont des individus. Ne siga sikoyo chaque niwe greko lukaye. Ekoza na niwe ya monene te pona ko lukabiso ensemble. Il n'y aura pas une grande nuée pour nous. Ke bino boya nare, boya nare oyo. Venez à cette arrêt. Bon, azoya ko kobata bino nyoso nare boko da bisi moko. Non. Chaque aura sa nuée. Chaque aura sa nuée. Ce sont des nuées envoyées pour aller chercher des individus. Aller chercher des individus. Chaque individu. Chaque individu. Et c'est dans ces moments-là pour être enlevé, nous serons tous, enlevés ensemble. Ensemble, ça sera pour être enlevé. Mais chacun dans sa nuée. Chacun dans sa nuée. Amen. 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 Nous, c'est comme cela que nous croyons. Disons si la mort. Que diras-tu à Dieu? Seigneur. Seigneur. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Parce que même condiment, même la foi, être un croyant, c'est une œuvre. Qui t'a engagé? Qui t'a engagé? Qui t'a recruté? Qui t'a recruté? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Pour que tu sois son croyant. Que tu sois son croyant. C'est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de la foi. C'est la profession de la foi. C'est la profession de la foi. Nous sommes dans une profession. Nous sommes dans une profession. Nous croyons Dieu. Nous croyons et Dieu. Nous le servons. Nous le servons. Nous l'obéissons. Nous lui obéissons. Et nous gardons ses commandements. Ses commandements. Et c'est jusqu'à l'achèvement. Jusqu'à l'achèvement. Même Yavi Nanga. Même l'achèvement de ma vie. Nako garde kaka musala wana. Je garderai cette œuvre. Yako ndimira kaka nzambe nanga. De croire mon Dieu. Kusala kaka nzambe nanga. De servir mon Dieu.
C'est une œuvre. Non. Tu n'auras même pas besoin de ça, démission. Tu n'auras même pas besoin d'écrire. Pourquoi démission n'a raté? Parce qu'on ne démissionne pas. Tu es engagé jusqu'à la mort. Là, tu es engagé jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Et sois fidèle. Et sois fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Demeure fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. En servant ton Dieu. En servant ton Dieu. Ton Rédempteur. Ton Rédempteur. Ton Créateur. Créateur. Et n'ayez pas honte. Et n'ayez point honte. Y'a qu'on sert à Jésus-Christ. De servir Jésus-Christ. Yesu a joué son été. Y'a qu'on coupe la yo. Jésus n'a pas eu honte de mourir pour toi. Y'a qu'on y'a qu'on manantine na yo. Y'a qu'on soit son été pour qu'on sert à Yé. N'ayez pas honte pour le servir. Ni même mignon qu'on pona Yé. Accepte la souffrance. Finalement pona Yé. Y'a yo musola pe yango wana. C'est là aussi ton œuvre à toi. Amen. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Regardez. Regardez. Le grand Dieu qu'il est. Le grand Dieu qu'il est. Et qu'il était. Qu'il était. Il est devenu homme. Il est devenu homme. Parce qu'il n'a voulu ni sacrifice. Il n'a voulu ni sacrifice. Ni offrande pour le péché. Ni offrande pour le péché. Mais Christ est entrant dans le monde et dit. Christ est entrant dans le monde dit. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est ce que nous venons d'écouter maintenant. C'est ce que nous venons d'écouter maintenant. Parce que Isaac est placé. Il était placé. Au-dessus des anges. En dessous des anges. En dessous. En dessous. En dessous. En dessous. En dessous. Amen. C'est ça. C'est ça. Pour Isaac. Dessous, il y a barge. Pourquoi est-il en dessous des anges? Ce n'était que pour un temps. Ce n'était que pour un temps. Yangoyo, ta yangoyo. Ça se trouve ici. Alléluia. Yangoyo. Yangoyo. C'est ici. Verset 9. Verset 9. Il y a chapitre 2. Du chapitre 2. Il y a Hébreux. Des Hébreux. Mais celui qui a été abaissé. Mais celui qui a été abaissé. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Car yo a quitté sa maki. Mais celui qui a été abaissé. Bona tango moko ya muke. Pour un peu de temps. Nase ya banji. Au-dessous des anges. Azagi a baissé. Il était abaissé. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Au-dessous. Au-dessous. Pas au-dessus. C'est pas au-dessus. Mais au-dessous. Mais au-dessous. Des anges. Des anges. Nanyango. Qui est-ce? Ah mais Jésus. Il dit Jésus. Alléluia. Mais maintenant c'est ma abaissement wana. Maintenant après cet abaissement là. Pour un temps. Pour un peu de temps. Un peu de temps. Pour un peu de au-dessous temps. Des anges. Au-dessous des anges. Si me yabo kiti sa mi bona. Après cet abaissement-là. Ndoma lobi. L'apôtre dit. Nous le voyons. Nous le voyons. Après c'est un peu de temps. Après c'est un peu de temps. Nous le voyons maintenant. Nous le voyons maintenant. Couronné. Couronné. De gloire. De gloire. Et d'honneur. D'honneur. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la mort. De la mort. Qu'il a souffert. Qu'il a souffert. Amen. Alléluia. Amen. La mort qu'il a souffert là. C'est ce qui a fait que nous puissions. Revêtu de gloire et d'honneur. Après cela. Mais yo lingola tisama na couronne na gloire avant. Maintenant toi tu veux être couronné de gloire. Avant même ya kozala méprisé pour son nom. Avant même d'être méprisé pour son nom. Avant même ya kozala moqué pour son nom. Avant même d'être moqué pour son nom. Olingi na yote. Tu ne veux pas. Olinga mbala moko gloire. Tu veux directement la gloire. Mais avant que vous a couronné na gloire. Avant que na honneur. Passe d'abord par les persécutions. On passe d'abord par les persécutions. Par les moqueries. Par les moqueries. Par les railleries. Par les railleries. Par les mépris. Par les mépris. Amen. Alléluia. Amen.
Quitte-nous. Débaisse-toi, baisse-toi d'abord. Moi, tant que mon cœur. Un peu de temps. N'as-tu y abattu? Sous les hommes. Eh. Quitte. En dessous des hommes. Tu as été d'abord abaissé pour un peu de temps. En dessous des hommes. Toi et moi, abaissons-nous. Abaissons-nous un peu de temps en dessous des hommes. Accepte d'abord d'être abaissé. Tu verras présentement. Tu seras couronné de gloire et d'honneur. Comment tu seras couronné de gloire et d'honneur. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Ainsi. Nabongo, nango, luango ya nzambe. Par la grâce de Dieu. Anyoko magi kufa ngopo na biso. Il a souffert la mort pour tous. Voilà. Nous tous. Il a souffert cette mort. La souffrance de la mort. Pour nous tous. Et si Manango, après cela, couronné de gloire et d'honneur. Aujourd'hui, nous espérons lui être semblable. Mais qui nous voulons ressembler. Regardez comment elle était abaissée. Au-dessous des anges. Pour souffrir la mort. Il a fallu après cet abaissement-là. Et après la souffrance. Mais tout à la boye. Regardons comme ça. Il a dit ça, mais dans le kembo. Le couronné de gloire et d'honneur. On pensait qu'il a tout perdu. On pensait qu'il a tout perdu. Non. Non, non. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Au contraire, il devait récupérer cela. Au contraire, il devait récupérer cela. Dieu de gloire. Dieu de gloire. C'est comme il avait renoncé. Comme il avait renoncé. À sa gloire. À sa gloire. Bois à la abaissé. Soit abaissé. Pour un peu de temps. Un peu de temps. Au-dessous des anges. Au-dessous des anges. On dirait que Gabriel était plus glorieux que lui. Michael. Ainsi de suite. Il est comme le roi de Moutoubam. Il est devenu comme un simple homme. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Deuxième épître à Philippiens. Si tu lis ici dans 2 Philippiens. Totangiboy. Nous lisons ceci. Yoka, yoka. Écoutez. Yoka. Palobinin. Qu'est-ce qui est dit là? Chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Philippiens. Philippiens, chapitre 2. Ekomaminin. Qu'est-ce qui est écrit là? C'est ici. Verset 5. Au verset 5. Ayez en vous. Ayez en vous. To bozwa katinabino. Ayez en vous. Toujours katinabiso. Ayons en nous. Mayoki. Les sentiments. Toma kanisiango. Les sentiments. Maye mazalaki. Qui est katina Yesu Christ. Qui était en Jésus Christ. Nous avons l'ensemble de nos pères, de nos ancêtres, de nos grands-parents. Sentiment de l'attente. De l'oncle. Mais où sont les sentiments? Où sont-ils en toi, croyant? En enfant de Dieu. En toi, élu. Sentiment ici signifie penser. Sentiment, veut dire. C'est la même chose. Et donc, la même chose. Comme ça que nous croyons. On pense comme nos ancêtres. On pense comme nos ancêtres. Comme nos papas, nos mères. Comme nos papas. Nos sœurs, nos frères. Nos sœurs et frères. Qui a en lui les pensées qui étaient en Jésus-Christ? Qui a en lui les pensées qui étaient en Jésus-Christ? Et les pensées de Jésus-Christ. Les pensées de Jésus-Christ. C'est sa parole. C'est sa parole. Si quelqu'un a la parole de Dieu en lui, Dieu en lui. C'est ça le sentiment même. C'est ça le sentiment même. Qui était en Jésus-Christ? Qui était en Jésus-Christ? Ce sont les pensées même. Ce sont les pensées. Qui était en Jésus-Christ? Qui était en Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ. Existant, kozalaka na lulenge ya Nzambe. Existant en forme de Dieu.
tel qu'il était là, en forme de Dieu. Sa forme là, c'est la forme de Dieu en tant qu'homme. C'est celle-là dans laquelle il est. Amen. Existant. Existant. Kojalaka. Existant. En forme de Dieu. C'est pas notre personne, c'est lui qui est Dieu. Les gens qui ont dit c'est lui Jésus-Christ. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Comme une proie arrachée. Non. Non, non. Il savait que je suis Dieu. Dieu, moi, nous ne sommes pas égaux. Amen. Ce n'est pas que nous sommes deux personnes différentes. Donc, je suis égal à Dieu. Je suis égal à Dieu. Moi, Jésus, moi, je suis égal à Dieu. Moi, Jésus, je suis égal à Dieu. Je ne suis pas égal à Dieu. Je ne suis pas égal à Dieu. Ou égaux. Non, nous ne sommes pas égaux. Non, nous ne sommes pas égaux. Ngai mutumoko, njambe mutumosusu, metoko kanak. Mais nous sommes boete. Pas comme ça. Njambe wana, ezangai. C'est moi. Ngai nde ye. Moi c'est lui. Ye nde njambe yango. C'est lui qui est Dieu. Mais n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Parce qu'il n'y avait pas une autre partie avec laquelle vous pouvez se disputer. Pour arracher la chose, il faut qu'il y ait une autre personne qui tient l'entièreté la chose. Il va se la disputer avec qui? Cash. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Donc, à Longoli, Kazaka naye ya elimo. C'est-à-dire, il a. Oyo yankembo. De gloire. Alobi na Longola nganga moko. Il dit, je me dépouille moi-même. À Longoli yango. Je me dépouille. Il s'est dépouillé lui-même. Alobi ela la nano. Il dit que ça reste un peu là-bas. Sigoyo. Maintenant, il s'est dépouillé lui-même comme ça. En prenant une forme de serviteur. Amen. Il a porté un tablier. On le prend comme un serviteur. Comme un serviteur. Mais n'est-ce pas Dieu? Mais c'est lui. Mais il s'est dépouillé lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a regardé beaucoup de formes. Il a regardé beaucoup de formes. Mais il a choisi. Il a choisi la forme de serviteur. La forme de serviteur. Et à mon ami comme un serviteur. Il est apparu comme un serviteur. Amen. C'est pourquoi il nous a même lavé les pieds. C'est pourquoi il nous a même lavé. C'est en tant que serviteur. En tant que serviteur. Il n'est pas venu pour se servir. Il n'est pas venu pour se servir. Mais pour servir. Pour servir. Et il a servi son Dieu. Il a servi son Dieu. Et il nous a servi aussi. Il nous a servi aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Yo. Kawana, il s'arrête là. Si Mayako s'est dépouillé lui-même, après s'être dépouillé, Alongoli Kazaka naye ya bonjambe, enlève sa veste, Njoto wana ya bonjambe, ce corps-là de David, Oyo babengaka Théophanie, on appelle la Théophanie, Alongoli yango, enlève ça, en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Et en devenant semblable aux hommes. Et en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Azaki na bakiki. Il avait des Azaki na paupières. Il avait des paupières. Azaki na munoko. Il avait une bouche. Azaki na mino. Il avait des dents. Azaki na matoy. Il avait des oreilles. Même le huitième jour, nous Azaki mona mobali. Akata makingenga. Il fut circoncis. Selon la loi. Selon la loi. Alléluia. Amen.
devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. De Dieu qu'il était, il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Un vrai homme, mais non pas un faux. Un vrai homme, mais pas un faux. Mais un vrai homme. Un vrai homme. Même Pilate a reconnu cela. Même Pilate a reconnu cela. Il l'a présenté aux Juifs. Il l'a présenté aux Juifs. Si vous voulez qu'on vous libère quelqu'un. Si vous voulez qu'on vous libère quelqu'un. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. L'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut. Yéwan. C'est celui-là. Il n'était pas une imitation. Il n'était pas une imitation. Il était un vrai homme. Il était un vrai homme. Tout ce qu'un homme il avait. La chose qui manquait seulement le péché. Et l'homme meurt, lui aussi il était mortel. Il était aussi mort. Parce que l'homme meurt, lui aussi était mort. Voilà. Alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Quelle humilité. Quelle humilité. Et en s'humiliant lui-même, frère, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Ami qui dit ça qui est moko. Il s'est humilié lui-même. Et n'a beaucoup dit ça minaye moko. Dans son humiliation. Comme il s'est motosi. Se rendant obéissant. Kino na kufa yango. Jusqu'à la mort. Atako kino na kufa ngo ya ekulusu. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. 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 Ezapona nini lokola. Pourquoi? Ezapona nini lokola. C'est pourquoi aussi. Njambe. Dieu. Na bokonji na ye moko. Sa souveraineté. Amatisa ki ye. L'a élevé. Amen. Amen. Mbe a pesa ki ye. Il lui a donné. Kombo ango. Le nom. Et yeza likolo ya ba kombo yoso. Et au-dessus de tout nom. Omoni élévation à Jésus. L'élévation de Jésus. Et yesi maya komi kiti sana ye. Est venu après son humiliation. C'est-à-dire son abaissement. C'est-à-dire après son abaissement. Amen. L'élévation est venue. Alors que l'élévation est venue. Azari nano abaissé. Il était abaissé. Pour un peu de temps. Un peu de temps. Au-dessous des anges. Au-dessous des anges. Amen. Et tant que peu de temps en elle qui. Ce peu de temps est passé. Il a fait ce qu'il a fait. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est qu'on entend dire j'ai achevé l'œuvre. Parce que pour qu'il fasse cette œuvre, il a fallu qu'il soit abaissé. Il a fallu qu'il soit abaissé. Na lulenge na ye ya nature na ye ya nzambe ya bonzambe akoye ko accomplir œuvre wana. Tu ne peux pas accomplir cette œuvre là. Parce que Dieu a kufakate. Parce que Dieu est immortel. Il a fallu que akiti samamuke. Il a fallu qu'il soit même amilongola nano ye moko. Qu'il puisse d'abord se dire makokoma kokokana kana moto. Qu'il accepte de devenir semblable à l'homme. Ala tape joto ya mabele. Il porte un corps de chair. Oyo na kati nango ezwami maina makila. Dans lequel il y a le sang et l'eau. Yebe akoma un être triple. Il est aussi un être triple. Azwa une âme. Il y a une âme. Un esprit et un corps de chair. Un corps de chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Il porte la chair dans laquelle l'homme est tombé. Il est tenté en toutes choses. En toute chose. Comme l'homme. Comme l'homme. Alléluia. Tenté dans tout péché. Il soit tenté par tout péché. Tous les péchés Jésus a été tenté na yango. Jésus en a été tenté dans son corps de chair. Dans son corps de chair. Amen. Amen. Mais
La chose qui lui est arrivée. Sans commettre des péchés. Parce qu'avant de devenir homme, il était d'abord la parole. Et en tant que la parole, faite maintenant chair, il ne pouvait pas pécher. C'est comme cela que nous croyons. Et cette œuvre-là, il l'a achevée. Il l'a achevée. Si tu regardes cette œuvre pour qu'il s'agisse, et ce qui passe, c'était vraiment. Vous voyez, même Gethsemane, vous connaissez sa prière. Amen. Il a même prié le Père. Si tu veux, cette coupe s'éloigne. Éloigne-le-moi. Amen. Et ce n'était pas de la blague. Quand nous pensons aujourd'hui que pour tu vas marcher près de Non. Il faut croire et couler. Tu dois prendre ta croix. Oh, mais tu dois porter ta croix pour les suivre. Et le calvaire. Et aujourd'hui le calvaire. Et comment expression ya mignoko ya bampas est devenu l'expression des souffrances et des persécutions. Des persécutions. Ce que moi, je ne pas si je suis mort. Non, frère. Ça, c'est du calvaire. Ah, mon frère, ça, c'est du calvaire, ça. Donc, je ne sais pas si elle est qui. Ça dit trop de souffrance. Amen. Même les païens, ils disent que le calvaire est le pas si mingi. Même les païens savent que le calvaire veut dire trop de souffrance. Mais yo croyant. Ils ne le savent pas. Ils ne 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 savent tapé mignoko nankolo. Tu portes aussi les souffrances. Yo le kananjerango ya le kanaki. Passe par le chemin par lequel il est passé. Et kaka ndenge komera kaye. Si me ya mignoko mina. Ne tomoni ya za couronné. Nous devons aussi couronner. Na gloire pe na honneur. Gloire. Et kokomera pe yonangai. C'est quoi l'apôtre dit? Maintenant nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous devons souffrir comme lui. Nous devons souffrir comme lui. Lui, l'aîné des enfants de Dieu, l'aîné de la famille, a souffert la mort, a souffert la croix. Maintenant, toi, ses frères, la même voie. Nous devons passer sur la même voie, sur le même chemin, la même route, Et ce n'est qu'à la fin. Comme lui à la fin de son œuvre. Et nous aussi à la fin de notre œuvre. Chacun à la fin de son œuvre. Quand il achèvera son œuvre. Dans la gloire. Et que tu seras vu dans la gloire. Avec lui. Avec lui. On vous a appelé couronné. La gloire. Ben honneur. Et d'honneur. Honorable ya kalamingite bisoyo. Les prochains honorables c'est nous. Honorable Joseph Linga. Honorable Joseph Linga. Amen. 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 Et na biso. Tous honorables na basi na babali. Nous serons des honorables hommes et femmes. Et qui nous honorera? Qui va nous honorer? D'abord c'est lui-même. D'abord c'est lui-même. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Tala. Regardez. Yangoy. C'est ici. Toi, Nathan, on a saboté. Nous ne sommes pas. Toyami, deux ministères promis. Nous avons reçu deux ministères promis. Les deux ministères liés. Na plan du salut. Les deux ministères liés. Ministère prophétique. Le ministère prophétique. Le ministère d'enseignement. Et le ministère d'enseignement. Ce ne sont pas des blagues. Donc vous avez éclairé. Nous sommes éclairés. Mieux informés. Mieux informés. Quelqu'un qui croit au ministère de Branham. Le ministère de Frank. Il croit le ministère de Branham. Tu viens avec lui. Tu ne peux pas le vaincre, tu ne peux jamais.
Oh, Satan a bimeraki Jésus. Satan a bimeraki Jésus. Il y a des écritures qu'il fabrique lui-même. Parce que dans psaume 91, psaume 91, c'est seulement que lui à côté de l'ange, enverra les anges pour l'itame na yo eta na libangate. Afin que ton talon. Mais ce n'a jamais été écrit, n'a jamais été écrit que Miboaka. Que j'ai toi. C'est Satan qui a inventé Miboaka. Là, c'est Satan qui a inventé jette-toi. On recoute un verset, mais la Bible était. Je ne trouverai pas un verset. Et comment que. Je l'ai écrit. Jette-toi toi-même. Bongaï na kotinda ba ange ba yambayo. J'enverrai. Ezakate? Non, il n'y en a pas. Mais Ezane, ce qui est au sein du Bakou. C'est-à-dire, si tu t'achopes. Ce qui est au sein du Kama. Si tu fais un accès. Ba ange ba zawana. Les anges sont là. Pour n'a quoi arracher yo du danger. Pour t'arracher du danger. Et ça y a mon côté au matin en gomba. Toi-même, tu as une démonstration. Je vais vous faire une démonstration. N'a pas mis jeté par terre. Bon, jamais à côté de la gaïbange. Parce que tu oses, tu te coupes la tête, le cou, tu te casses. Oui, on est une proposition satanique. Ce sont des propositions sataniques. Ils ne vont pas accepter. Écoutez, ne fût-ce qu'une seule proposition du diable. Si tu es un enfant de Dieu. Si tu es ceci. D'abord, il y a un dimarité que tu es un enfant. Il ne croit même pas que tu es un enfant. Pour a-t-il les petits mots conditionnels, Soki? Parce qu'il a passé les mots conditionnels, si. Quand tu es Soki, ça dit à Zachir Nayote. Il n'est pas sûr de toi. Si tu es un enfant de Dieu. Donc, la petite moko, comme un petit. Nazaki na. J'étais encore à Bokungu. Et puis, na kei na mboko nini Lotoko. J'ai au village Lotoko. Nazaki na ikongo na assemblée ikongo na tei na tei. J'étais là. Mon frère balobi na ngai tombe mais on a un port. Yalomela. On t'amène au port. Ok, on a tout que de vous visiter. Comment tu vas? Toujours tombe la tomoni gang moko à côté na bolongo. On marche, on va un gang entrer là-bas. Tumba lompachi, comme on a Tumba lompachi. Son nom Tumba. Tumba lompachi. Tumba lompachi. À côté na bolongo. Il entend. Ti ayoki ma frère baso tuna ba kesio. Il entend les femmes. Il est à Busan. Je dis laissez-le poser la question. Ok, non, parce que quand il m'a dit, laissez-le. Bon, on va dans autre tour. Alors, tel que tu es là. Choc pensé na petit ombata. Si je te donne une gifle. Rosani. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, bim mekat. Je dis rose. Je dis, Rose, tu vas donc, voir. Yo, je vais te frapper. Hein? Ah, vous avez un frère à l'okuta. Vous êtes des faux frères. Voilà ma proposition à Satan. Ce sont des propositions sataniques. Mais ce que ça qui n'est moi, discussion mouke, querelle mouke, aïe à Bamori en bata, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre mais chose. Mais ça c'est que ce qui n'est pas Bamori. Si j'étais juif. Tu me prends pour qui finalement? Donc tu vas dire que frère Branham a bêta un type moko. Les gens savent que frère Branham avait frappé un type. J'avais dit que frère Branham ne s'y capte pas que de go prêcher. J'ai envoyé frère Branham quelque part prêcher. A commis à côté moi en dago moko boye. Il arrive. Et ça qui n'a nous nettoyé, préparé. Qui n'était pas encore préparé. Si quoi y est moko? Azako bongisa. Et si quoi wana quoi y a quoi ça réunion? Frère Branham lui-même a rangé l'endroit. Il devait. Il gange yamboka wana. Il voit un message. Azole. Eh yo. Il dit il vient toi. Avec frère Branham. Yo. Il a pas frappé. Bon ça ni wana. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu arranges? Dit, je viendrai prêcher. Toi prêcher. Tu n'as pas encore de prédicateur ne peut prédicateur ne peut prêcher sans d'abord me voir. Il faut plus on doit d'abord me rencontrer. Si on se boxe. Si on boxe. Si me boxe. C'est après qu'il viendra. Mais sinon, il sera mis en boxe. Si je le frappe une prêche. Madame dit, c'est pas un problème. Moi j'arrange d'abord les lieux. D'abord j'arrange les lieux. Nakoya. Je viendrai. Si tu veux la boxe, on va et faire la boxe. Et Nako boxe yo. Et après Nakoya go prêcher. Et après je viendrai prêcher. Et frère Branham la boxe. Frère Branham. Et il a prêché. Boxe, il a prêché après. Amen. Bana banza. Enfant de Dieu. Chacun de nous. Chacun de nous. A une œuvre à faire. A une œuvre à faire. C'est une œuvre. C'est une œuvre. Un enfant de Dieu obéit à son Dieu.
Un enfant de Dieu écoute la parole de son père. Cela ne dit rien. Comment nous allons couronner la gloire? Tu devrais être couronné de gloire. Dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre. Au chapitre 1er. Au chapitre 1er. Yangoy. C'est ici. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Allô, Biboui. Il dit ceci. C'est en rapport avec l'honneur et la gloire. C'est en rapport avec l'honneur et la gloire. Allô, Bi. Il dit. Na, verset 3. Au verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Loué soit Dieu. Tatango Yankolo Yesu Christ. Yankolo Nabiso Yesu Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Oyo. Qui? Engebene namawa maye manene. Selon sa grande miséricorde. Abota Gibiso Sika. Nous a régénéré. Mbona Elikia Moko Yabomoy. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Nous est réservé dans les cieux. Na bino baoyo baye. A vous qui. Nanguyango yanzambe. Par la puissance de Dieu. Bobate la make nanjela ya kondima yango. Et gardé par la foi. Mpona lobi koloselingui na ko zalakomoni sama. Pour le salut prêt à être révélé. Kati na bantango yasuka. Dans les derniers temps. Ezawanande. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps. Ah, na. Minyo bimekeli ya ndenge na ndenge par diverses épreuves nantinete emeke lomekongo na bino ya kondima afin que l'épreuve de votre foi oyo eleki kitoko wolo mokobebisamaka plus précieuse que l'or périssable oyo atako bongo ezako mekama na moto qui cependant est éprouvé par les feux alors kondima wana sima ya lomeko na yango après son épreuve et joapo na mbano et pour résultat lisanjoli yango la louange nkembo yango la gloire mpelo kumbu yango et l'honneur wana Yesu Kristo akomonana lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais nous, nous cherchons la gloire maintenant. Nous cherchons l'honneur maintenant. Nous cherchons la gloire maintenant. À présent, ce n'est pas l'œuvre. Nous faisons d'abord l'œuvre. C'est après. Nous allons accomplir notre œuvre. Alors l'honneur viendra. La gloire viendra. La louange aussi viendra. Quand alors? Mais Jésus-Christ est comme un homme. Lorsque Jésus-Christ Jésus-Christ n'est pas encore apparu. Et la Bible dit, quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. C'est-à-dire dans la même gloire. Dans la même gloire. Amen. 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 Nous devons demander Ndenge. C'est comme cela que nous croyons. Frères et sœurs, regardez encore une chose. Jésus, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Je l'ai accompli. Et celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre. Car l'Église elle-même est un ouvrage de Dieu. C'est un ouvrage de Dieu.
créé en Jésus-Christ. Créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé. Que Dieu a préparé. Pour que nous les pratiquions. Pour que nous les pratiquions. Nous les mettions en pratique. Pour que nous les mettions en nous pratique. Nous marchions en elles. Nous marchons en elles. Dieu a préparé de bonnes œuvres. Dieu a préparé de bonnes œuvres. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres de Dieu. Les bonnes œuvres de Dieu. Oh, il y a mon conseil qu'on bongisse en bonne bosse. Que lui-même a préparé d'avance. Pour biso ba ma bé. Afin que nous les mauvais. Si manakobi qui s'abiso. Pour nous avoir sauvés. Ben akosa la biso tous à la musala moyen. Parfait de nous son œuvre. Donc akosa la musala moyen. Nous serons faits son œuvre. Mokela mikati na Jésus Christ. L'œuvre créée en Jésus. Ne pas na misala malamu. Pour des bonnes œuvres. Oh, il y a mon conseil qu'on bongisse en bonne afin que nous marchions en yango. Que nous puissions les pratiquer. Yango en pratique. Que nous les mettions en nous c'est comme cela que nous alors comme nous sommes lui a commencé cette œuvre. C'est toujours lui qui achèvera l'œuvre. Yango moni awa. On voit ici dans Romains. Dans Romains. Na même chapitre. Dans le même chapitre. Oh, totangi ya 9e. Qu'on a lu le 9e. Totangi boy. Nous lisons ceci. Na verset 28. Au verset 28. Abidjambi nkolo ango. Il dit car le Seigneur. Bulanda bien. Romains 9. Zambi nkolo yango. Car le Seigneur. Akokokisa na mobimba. Accomplira entièrement. Est-ce que vous suivez? Verso yangai balobi, car le Seigneur. Car le Seigneur exécutera pleinement. Exécutera pleinement. Amen. Oui. Exécutera pleinement. Exécutera pleinement. Ça aussi. Et promptement. Et promptement. Sur la terre. Sur la terre. Quoi? Quoi? Ce qu'il a résolu. Ce qu'il a résolu. Exécuter ici. Exécuter ici. En d'autres termes. En d'autres termes. Signifie accomplir. Signifie accomplir. Et accomplir ici. Et accomplir. En d'autres termes. C'est-à-dire achever. C'est-à-dire achever. Car le Seigneur. Car le Seigneur. Achèvera pleinement. Achèvera pleinement. Et brièvement. Et brièvement. Ou bien promptement. Ou promptement. Sur la terre. Sur la terre. Pas dans le ciel. Pas dans le ciel. Mais sur la terre. Sur la terre. Parce qu'il a commencé une œuvre sur la terre. Il a commencé une œuvre sur la terre. Alors lui-même. Lui-même. Exécutera. Il exécutera. Achèvera. Il achèvera. Pleinement. Pleinement. Pas à moitié. Pas à moitié. Mais pleinement. Pleinement. Complètement. Complètement. Totalement. Totalement. Et promptement. Et promptement. Sur la terre. Sur la terre. Ce qu'il a résolu. Ce qu'il a résolu. Ou bien ce qu'il a commencé. Ou ce qu'il a commencé. Il a commencé. Il l'a commencé. Et lui-même l'achèvera. Et lui-même l'achèvera. Pleinement. Pleinement. Complètement. Complètement. Totalement. Totalement. Et brièvement. Et brièvement. Ou bien promptement. Promptement. Parce que Moussala Yango, quand on consouki ça, et Gozala Namikolo et Belete, ça ne prendra pas beaucoup de jours. Et Gozala Pena Lombangu, ça sera promptement. Et Gozala Pena Poissa, ça sera subitement. Musuki sami ya musala na njambe ya musala na kolo l'œuvre du Seigneur akosuki sayango il achèvera na mobimba entièrement pleinement pleinement na mobimba pleinement nous nali tondi na yango mobimba pleinement alléluia alléluia mpena poissa et promptement pena bokuse brièvement ezo lokola akokuto la mikolo comme s'il va abréger les jours. Parce que l'achèvement de l'œuvre de Dieu l'achèvement de l'œuvre et où mikolo ebenete ne prendra pas beaucoup de jours. Amen. Entre le commencement de son œuvre et de son l'achèvement de son œuvre de son œuvre c'est le commencement des choses qui prend beaucoup de temps c'est le commencement qui prend beaucoup de temps. Amen.
Parce qu'il l'a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Parce qu'il l'a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Au moins 2000 années, Aza qu'on continue dans Moussalawana. Continue avec mais tant qu'on commence à achever, c'est comme à quoi abréger Bicolo. Comme s'il va abréger les jours. Amen. Donc, Aweza Moutouté. Aweza Nkolo. Ici, c'est le Seigneur. J'ai achevé. Prenons ma salle à Oyaye. Si Koyo, Toti Kelankolo, Aya, Akokisa, Asukisa, qu'il achève. Tosundwe liye mosala na ye. Nous lui laissons son travail, son œuvre. Biso tozalaki kaka ba agent. Nous n'étions que des agents. PDG. Même le PDG. Akota na scène. Il entre en scène. A achevé mosala na ye. Qu'il achève son œuvre. Mbe. Biblia lobi. Tango akwa cheve yango. Quand il achève. Ekoza la pleinement. Il sera pleinement. Frère. Frère. Il achèvera pleinement. Et promptement. Et promptement. Pas dans le ciel. Pas dans mais le ciel. Ici sur la terre. Sur la terre. Ce qu'il a commencé. Il a commencé. Ce qu'il a résolu. Ce qu'il a arrêté. Ce qu'il a déterminé. Déterminé. Lui-même. Lui-même. Et ici. Et ici, Tala. Regardez. Tango ya ko achever musala mona. Quand tu viendras achever cette œuvre là. Ne to tangaki na Zacharie. Comme on a lu dans Zacharie. Et comment ki boye na Zacharie chapitre 4. Il est écrit ceci dans Zacharie chapitre 4. Verset 6. Au verset 6. Nasima kwaki azongera ki pe alobi. Après revient et dit. Alors il reprit et me dit. Nasima. Alors il reprit et me dit. Isalia wa lilobango na Yahweh kotina magana Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ezalilo baya batute, mais liloba na Yahweh. Mais la parole de l'Éternel. Niniango. Quoi? Ayebisi Zorobabel boy. Il dit ceci à Zorobabel. Ezalite nanguya yango. Ce n'est ni par la puissance. Amen. Te na bokasi yango. Ni par la force. Kasi. Mais na elimo nangai. Mais c'est par mon esprit. Elobi Yahweh ya mapinga. L'Éternel des armées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Il voyait pas qui était Zorobabel. Tu dois savoir qui était Zorobabel. Zorobabel était un gouverneur. Zorobabel était un gouverneur. Dans Juda. Dans Juda. Et gouverneur Zorobabel. Le gouverneur Zorobabel. Dieu. Avait réveillé son esprit. Avait réveillé son esprit. Et il l'a utilisé. Il l'a utilisé. Pour la reconstruction. Pour la reconstruction. Il y a deuxième étape. Du deuxième temple. Et le premier temple. Et Kokanina, la première église. Est comparable à la première église. L'église est primitive. L'église primitive. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous suivez bien? Et le premier temple est Baby Samaki. Et le premier temple a été détruit. Et la première église. La première église. Et ça qui est détruite. Était détruite. Nali kelele ya, li kelele ya, li kelele ya. Selon Joël. Le vous voyez bien, Robino Moko. Vous connaissez ça trop bien, très bien. Et Baringa Mikati Nankolo. Mais Ndjabe à la Kaki toujours dans Joël. Et tu as promis toujours dans Joël. Je restaurerai. Donc, Nako Zungi Sanyo Sowana. Je restaurerai tout cela. Comme aussi, le premier temple les a détruit. Le premier temple était détruit. Dieu l'avait restauré. Et Dieu l'avait restauré. Dieu l'avait rétabli. Dieu l'avait rétabli. Dieu l'avait l'avait reconstruit. Dieu l'avait reconstruit. Et ayeko tonga yango ko rétablir yango sur les anciens fondements. Et Dieu a rétabli le premier temple sur des fondements antiques. Des fondements antiques.
Et la première église. Et la première église. Oyo ma kelele mana ma baby saki. Dieu a la kaki ko restaurer yango. Tu as promis de rétablir yango. Ko reconstruire yango. Dikolo ya ancien fondement. Sur l'ancien fondement. Oyo bantoma na basakoli batiaki. Qui a été posé par les prophètes et les apôtres. Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Amen. Et Natawana, il y a reconstruction du temple. Et au temps de la reconstruction. Dieu avait réveillé. Dieu avait réveillé. L'esprit de beaucoup d'hommes. L'esprit de beaucoup d'hommes. Soko tangina Agé. Si tu lis dans Agé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Awana Agé. Ici dans Agé. Agé. Okomona ekomamboye. Vous verrez, c'est écrit ceci. Agé, 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 Agé. Sogozui awa. Si tu prends ici. Na. Verset 13, chapitre 1. Togobana, chapitre. Verset 12, il y a chapitre 1. Chapitre 1 d'Agé. Zorobabel. Zorobabel. Fils de Shealtiel. Fils de Shealtiel. Josué. Fils de Jotsadak. Fils de Jotsadak. Pas fils de Nun. Pas le fils de Nun. Non. Non, non. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Et tout le reste du peuple. Et tout le reste du peuple. Entendirent la voix de l'Éternel. Entendirent la voix de l'Éternel. Leur Dieu. Leur Dieu. Et les paroles d'Agé. Les paroles d'Agé. Le prophète. Le prophète. Selon la mission. Selon la mission. Selon le mandat. Selon le mandat. Que lui avait donné Yahvé. Il avait donné l'Éternel. Leur Dieu. Leur Dieu. Et le peuple fut saisi, de crainte devant l'Éternel. De crainte devant l'Éternel. Agé, Agé. Envoyé de l'Éternel. Envoyé de l'Éternel. Dit au peuple, dit au peuple. D'après l'ordre de Yahvé. D'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous. Avec vous. Dit Yahvé. Dit l'Éternel. Amoni de Golabukangé no komagote. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Est-ce que vous appelez? Est-ce que c'est clair? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Hein? C'est Yahvé! C'est Yahvé! Pas le prophète! C'est pas le prophète! Où est le prophète Branham? Où est le prophète Branham? Paul Branham, je suis avec vous. Vous qui nous dites je suis avec vous. Il nous a laissé. Il nous a laissé. Il nous a abandonné. Il nous a abandonné. Mais celui qui est avec nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis de l'être. Il nous a promis de l'être. Avec nous jusqu'à la fin du monde. Être avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui. 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 Et il dit. Et il dit. Et c'est là. Et c'est là. Il dit au peuple. Il dit au peuple. D'après l'ordre de Yahvé. D'après l'ordre de Yahvé. Qu'est-ce que Yahvé lui avait ordonné? Qu'est-ce qu'Yahvé lui avait ordonné? De dire au peuple. De dire au peuple. De leur dire que. De leur dire. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Dit Yahvé. Dit Yahvé. Et la Bible dit. La Bible dit. L'Éternel réveilla. Réveilla. Il réveilla quoi? Il réveilla quoi? L'esprit de Zorobabel. L'esprit de Zorobabel. Il réveilla quoi? Il réveilla quoi? L'esprit de Juda, gouverneur de Juda. L'esprit de Josué. Et l'esprit de Josué. Voilà, nous autant abattu ça, y autant le verset au royaume qu'on a d'accouta. Vous allez lire ce verset à la maison. Esprit abattu, il y avait à réveiller qui? L'esprit des gens que Yahvé avait réveillé. Voilà. Voilà. Des hommes dont Yahvé avait réveillé l'esprit. Les hommes dont Yahvé avait réveillé. Commença d'abord par Zorobabel. Commença par Zorobabel. Oyazaki, gouverneur de Juda. Était gouverneur de Juda. Et ensuite, a réveillé l'esprit à Josué. Il réveilla l'esprit de Josué. Oyazaki, souverain sacrificateur. Il était souverain sacrificateur. Et encore, a réveillé l'esprit de tout le reste du peuple. L'esprit de tout le reste du peuple. Si Dieu. Si Dieu. A réveillé l'esprit des serviteurs. A réveillé l'esprit des serviteurs. Le même Dieu réveille aussi l'esprit de l'assemblée. Le même Dieu réveille aussi l'esprit de l'assemblée. L'esprit de l'église. L'esprit de l'église. L'esprit du peuple. L'esprit il faut bien Yahweh à la réveiller. Il faut qu'il soit aussi. Chaque croyant à la réveiller. Que chaque croyant soit réveillé. C'est le réveil qui commence. C'est le réveil qui commence. Réveille qu'on sort le matin, il y aura des bongis. Le vin ne peut pas se faire, toi tu dois. Il faut aller éveiller. Il doit être réveillé. Alors il doit lui-même te réveiller. Alors lui-même doit réveiller ton esprit. Réveille ton esprit. Amen. Est-ce que ça pour est-ce que c'est clair? Oui, baringa mikati dans le colo. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et tant
Quand les serviteurs avec le peuple, leur esprit fut réveillé. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre. Où? Mais dans la maison de Yahvé des armées. Dans la maison de Yahvé des armées. Leur Dieu. Leur Dieu. Donc nous ne pouvons pas travailler comme eux. Ils ne pouvaient pas se mettre à l'œuvre. Étant l'esprit endormi. Étant l'esprit endormi. Il a fallu qu'il y avait lui-même réveillé leur esprit, l'esprit de tout un chacun, pour pas qu'on coya, pour pas mettre à côté de nous ça là, à côté d'un conanza. Et la maison de Dieu c'est nous. La maison de Dieu c'est nous. La maison de Dieu c'est nous. Il faut que Dieu lui-même, réveille, l'esprit de tout un chacun. Un réveil doit être là. Un réveil doit être là. Doit commencer. Un réveil doit commencer. Et ce n'est pas nous qui le commence. C'est pas nous qui le commence. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. À son temps et à son heure. Et au moment opportun. Car il a dit, ce n'est ni par la puissance, de quelqu'un, ni par la force, du gouvernement, mais c'est par mon œuvre. Non, c'est par mon esprit. C'est le réveil de l'esprit. Dieu qui est esprit, il réveille l'esprit de chaque croyant par son esprit. Dieu répand son esprit dans l'église. Dieu répand son esprit dans l'église. Pour que chaque croyant, soit réveillé. Son esprit soit réveillé. Et vous allez réveiller la parole était. Réveiller la parole est le cri de minuit. Oh, deux autres, le réveil de la parole, c'est le cri de minuit que nous prêchons. Mais vous allez monter côté à terre, il n'y a personne qui ne va plus prêcher. Mais vous allez yémoko. À la moussa, il y a moko na moko. À quoi son père, il y a moko na yé. Oui, et bien, il y a mboula ya eranga ya souka. Na kati ekresia. Et vous verrez l'œuvre de Dieu à l'achèvement. Amen. Amen. C'est ça le réveil de l'église épouse. C'est ça le réveil de l'église épouse. Oh yo, ma frère, il y a sept tonnerres qui fabriquent. Que les frères de sept tonnerres ont fabriqué. Bango yo, bazoli anguba na misuelo. Image d'accord de cacahuètes avec nous. Réveille Wanda, l'épouse est tango eco banda. Quand le réveil de l'épouse va commencer, Ekozala na bukuse. Sera bref. Maintenant, réveillons y a bango bamboula ebele. Mais regardez le réveil beaucoup d'années. Tomona Yesu goyate. Nous ne pouvons pas Jésus revenir. Mais réveillons y a yemoko. Mais son réveil à lui. Y a moisi liba. De l'épouse. Tango yango ko salama. Eko umelate. Ne prendra pas beaucoup de temps. Eko umelate. Ne durera pas. Et n'entends pas yango. Et qu'on se raccage à mater y a te. Si qu'on y est attendu y a mater. Maintenant c'est le temps de prédication. J'ai bien attendu que mon sacoli. Tu envoies le message. Aïe, na message. Je viens avec le message. Na parole restaurée. Avec la parole restaurée. Enseignement restauré. Enseignement restauré. J'ai bien attendu docteur. J'ai envoyé docteur. Aujourd'hui parole restaurée wana. Parole restaurée. A semé yango na mité ma yaba kwaya. A semé dans les cœurs de croyants. Et ma ministre. Et le monde ailleurs, tous à colonne a la même parole. C'est moi la même parole. Mais il faut une confirmation divine. Il faut maintenant une confirmation divine. Il nous faut une confirmation divine. Il nous faut une confirmation divine. Que Nabatei, que les prédicateurs, Nabayoki, que les auditeurs, Bissobanso, et Lomoboko, et côté la Bisso, puissent entrer en nous. Et tant que nous avons côté la bisso, la chose va entrer en nous. Yé mon jambé à côté de Moussala. Tu entres à l'heure. Et qu'on a la bataille, il est sous terre. Il n'y a plus les prédicateurs. Et qu'on a la bataille à Moussala, bah domestique, il est sous terre. Domestique. D'ailleurs, avant qu'il commence à l'ongoli, nano, c'est fidèle et fidèle et prudent. Il enlève d'abord les sabots. Abi, yoyaka kopema, tikiranga et libanda et amassa. Laisse-moi le terrain. Ndaï moko nazo kota na Moussala sikoi. Moi-même, j'entre en scène maintenant. Yango moni. Toujours on est dans la même parole. Oh, mais maman a frère Branham. Mais parfois Branham. Peut à transmettre à mon frère Franck. Il a transmis à frère Franck et à Zui Ango. À transmettre à ma domestique. Il l'a transmis au domestique. C'est ça ce que nous appelons la retransmission. C'est ce que nous appelons la retransmission. C'est la même parole. C'est la même parole. C'est le même message. C'est le même message.
que Dieu, avait donné à Frère Branham. Et le même message, Dieu avait donné à Frère Franck. Et le Frère Franck l'a transmis aux domestiques. Et aujourd'hui, nous continuons à le retransmettre. Ce que je suis en train de faire ici, c'est une retransmission. Ce que nous venons d'écouter, c'est aussi une retransmission. Croyez-vous cela? Alors il faut message et sera transmis pour évendre dans mon thème à moko na moko en tant que semence, et Dieu atteint la pluie. Et tu envoies la pluie. Il faut message et vendre mon thème à moko na moko comme la vérité présente en tant que la semence, et Nzambe atteint l'esprit. Et tu envoies l'esprit. Et l'esprit à ce niveau-là, que nous attendons, et que nous allons baptême du Saint-Esprit, comme troisième étape de la grâce, où chaque élu a passé dans Yango. Non, mais c'est après le baptême du Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui s'accapacata Yamboula. Tu peux voir une grande pluie. Comme il a promis ici, je voulais quelques écritures et nous allons finir. Alléluia. Pardon. C'est ici. Joao. Prends ici. Allô, Biboui. Il dit ceci. Dans Esaïe 44. Dans Esaïe 44. Verset à Liboso P. Amisat. Du premier jusqu'au troisième verset. Je peux aller même au quatrième. Alors, écoute maintenant. Boyoka sikoyo. Écoute maintenant. Oh Jacob, moumbu nangai. Oh Jacob, mon serviteur. Oh Israël, oyo naponaki. Oh Israël que j'ai choisi. Yangwe lobi Yahweh. Ainsi par l'Éternel. Oh Yasala kayo. Tout à fait. Et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Banga et le côté. Ne crains rien. Moussali nanga Yakobo. Serviteur Jacob. Israël et Angaï. Israël. Yango naponaki, oyo naponaki. Que j'ai choisi. Ponanini. Pourquoi? Jambi. Car. Nakoso papa mai. Je prendrai des eaux. Dikolo ya mabele makauka. Les sols altérés. Mbe. Mikeli. Des ruisseaux. Dikolo ya ma. Nakoso papa mai. Je reprendrai des eaux. Na dikolo ya mabele oyo. Et en aposa sur le sol altéré. Et zangi mai. Le sol altéré. Mbe bi Mikeli. Des ruisseaux. Du colo ya mabele ya kokauka. Sur la terre desséchée. Et dikolo banini. Dikolo banda kosoba mulimu na ngai. Du colo ya momboto na yo. Mbe li pamboli na ngai. Du colo ya bakitani na yo. Sur tes restons. Bako bota lo kola. Nakatikati ya lititi. Ils pousseront comme au milieu d'elle. Et ainsi de suite. Promesse yo. Cette promesse ici. Ne yango ezo kokisama awa na achèvement. C'est elle qui s'accomplit ici à l'achèvement. Ezo kokisama te na baptême du Saint-Esprit. Elle ne s'accomplit pas par le baptême. Awa ezo kokisama te na achèvement. Et si ça s'accomplit. Zambi alaki ko répandre son esprit. Je promets de répandre son esprit. Sur la terre altérée, sol altéré. Le sol altéré. Et le ruisseau. Sur la terre desséchée. Sur la terre desséchée. À répandre son esprit. Répandre son esprit. Sur la semence de Dieu. Et nous sommes la semence de Dieu. Et nous sommes la semence de Dieu. La semence d'Abraham. La semence d'Abraham. Amen. Amen. Bishop Dozon demandait Motindo Mona. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Et ce qu'on suit,
Si tu prends encore. Awa na Zacharie. Ici dans Zacharie. Na Zacharie. Dans Zacharie. Et komami boy. Il est écrit ceci. Toujours Zacharie. Toujours Zacharie. Et balinga mikati na nkolo. Et bien aimé dans le Seigneur. Loanzambe lisa bien. La parole de Dieu est bien. Soko tangi na Zacharie chapitre 10. Tu lis Zacharie chapitre 10. Alobi na verset aliboso. Verset. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez. Ne demandez pas au prédicateur. Ne demandez pas au prédicateur. Non. Non, non. Mais demandez à l'Éternel. Demandez à l'Éternel. La pluie. La pluie. La pluie du printemps. La pluie du printemps. Et l'Éternel. Et l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Il répondra à votre demande. Il répondra à vos demandes. Produira des éclairs. Produira des éclairs. Et il vous enverra, il vous enverra une abondante pluie. Une abondante pluie. Une abondante pluie. Une abondante pluie. C'est-à-dire la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Appelez plus de l'arrière-saison. Appelez plus de l'arrière-saison. Lui-même l'enverra. Lui-même l'enverra. Et à ce moment-là, à ce moment-là il donnera à chacun, de l'herbe dans son champ. De l'herbe dans son champ. Donc la parole, en tant que semence, qui a été semée dans chacun de nous, et qu'on produit. Et qu'on sera confirmé. Sera confirmé. Donc, bien que nous soyons toujours en demande, 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 demande. Quoi, toutes les choses que nous entendons. Mon colonia bien qu'on soit pas mbula naïe. Le jour où Dieu répandra. Du courroux à mon bote yango. La semence. Parole qu'on sera confirmé. La parole sera confirmée. Et ça sera. Ça ne sera plus le tour du cœur. Ça ne sera plus le tour du cœur. Mais ça sera le tour de la bouche. Ça sera la et la bouche pourra parler de l'abondance du cœur. L'abondance du cœur. Cette parole. Cette parole. Où les allées semées dans nos cœurs. Et qu'on parle de ce qu'on combine de nos bouches. Commencera à sortir de nos bouches. Pour accomplir des grandes choses. Pour accomplir des grandes choses. Amen. Amen. Donc, Bisso. Toujours demander d'engueuwa. Nous c'est comme cela que nous croyons. Ce qu'on t'a dit la traduction, Moussous. Si tu lis dans une autre. Et ande nata oyo ya dernière pluie. Il y a pluie de l'arrière saison. C'est autant de la dernière pluie la pluie. Des pluies à dernier, il y a première saison peut qu'on tombe. Ça se met au moment que la pluie. Il dit demander la pluie. Il dit demander la pluie. Autant de la pluie de l'arrière saison. Autant de la pluie de la. Autant de la pluie de l'arrière saison. De il faut que vous demandiez aussi une autre pluie. Il faut que vous demandiez une autre pluie. Parce que tant il y a pluie de l'arrière saison, il y a moi. Le temps de la pluie de l'arrière saison. Tant que pluie arrière saison est tombée. La pluie arrière saison tombe. Nous avons droit de demander aussi la pluie de la première saison. Avec toutes les deux pluies tombent dans l'église. Nous avons droit de demander la pluie de la première saison avec toutes les deux pluies tombent dans l'église. C'est ce que Joël aussi avait annoncé. C'est ce que Joël aussi avait annoncé. Yango dozo tanga. C'est ce que nous lisons. Œuvre et achèvement. Oye ko salama. Se fera. Nanzela ya elimu ya nzambe. Réveil de l'église épouse. Le réveil de l'église épouse. Yango yo awa. Ça se trouve ici. Omoni. Voyez-vous. Awa na Joël. Ici dans Joël. Au chapitre 2. Au chapitre 2. Awa na verset. Verset 23. Au verset 23. Il dit ceci. Il dit ceci. Alobi. Il dit. Et vous. Enfants de Sion. Enfants de Sion. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous. En l'Éternel votre Dieu. En l'Éternel votre Dieu. Car l'Éternel votre Dieu, vous donnera, la pluie, en son temps. En son temps. Il vous enverra, la pluie, de la première, et de l'arrière saison. Amen. Comme autrefois. C'est lui-même qui le fera. C'est lui-même qui le fera. Et qui vous l'enverra. Et lui-même qui vous l'enverra. Il n'y a pas lui-même, pas une autre personne. Ici, il a promis les deux pluies. Ici, il a promis les deux pluies. Que à côté de la biseau yango. Vous l'enverrez.
Mbona dernière action. Mbona achèvement de l'église épouse. Pour l'achèvement de l'église épouse. Amen. Yango omoni awa. Vous voyez ici. Na Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Jacques a écrit. Jacques a écrit. Il a écrit. Il a écrit. Au dispersé. Au dispersé. À l'église épouse. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Tala yangoyo. Oui, ça se trouve ici. Na chapitre 5. Au chapitre 5. Au verset 7. Au verset 7. Alobi. Il dit. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Et je vous dis ce matin, soyons donc patients. Soyons donc patients. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Yo bokotou nangai. Donc, on a patience jusqu'à quand? Nous devons être patients. Et voici la réponse de Dieu. Voici la réponse jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Voici le laboureur. Voici le laboureur. Attends. Attends. Le précieux fruit de la terre. Le précieux fruit de la terre. Botala moloni moti moli yamabele. Le laboureur. Akozela. Attends. Mbumango kitoko yamabele. Le précieux fruit de la terre. Kokuaga motema molai. Nantina na yango. À son égard. Kino ete akwakoyamba. Jusqu'à ce qu'il ait reçu. Bamboula. Les pluies. Na pluriel. Bamboula ango. Les pluies au pluriel. Bamboula. Les pluies de la première et de l'arrière saison. Mbula ezabi balé. Il y a deux pluies. Mbula mi balé wana ezolo baka eri mumoko. Parle de même esprit. Mais toko yamba yango na double portion. Nous allons le recevoir en double portion. C'est ce qu'il a promis, il avait dit à Zorobabel. C'est ce qu'il a promis à dire. Et vous en avez cassé, motéité. Ce ne sera pas ni par la force de prédicateur. Nanguya, ya mutute. Ni par la puissance. Mais naeli munanga moko. Mais par mon esprit. Bon, pierre de fête. La pierre de fête. C'est-à-dire l'achèvement. C'est-à-dire l'achèvement. Il y a pyramide. De la pyramide. Pyramide est à la coiffée. La pyramide soit coiffée. Bâti à capuchon. On place le capuchon. Pierre de fête et ton amalikolo na yangwe bakemawana. C'est la pierre de fête. Zorobabel est né à Salaga na deuxième temple. C'est Zorobabel qui l'avait fait au deuxième temple. Mais si Koyo na deuxième maison de Dieu. Maintenant la deuxième donc, maison de Dieu. L'église est à l'achèvement. L'église à l'achèvement. Nathan où il y a reconstruction. Il y a rétablissement de toutes choses. Rétablissement de toutes choses. Dieu a promis que pierre de fête est qu'on a la poser. L'ikolo ya édifice wana fêtière ekotiama l'ikolo ya ndako ya nzambe c'est Jésus-Christ lui-même la pierre de fer et tama koya ko bakeba wana et kozala elongo na bakoganga yesengo ngolo ngolo l'ikolo nango et mushala yango et kozala ya mutute ya moteite ndenge bisa ki Zorobabe et kozande par mon esprit c'est l'esprit de Dieu qui fera cela. Dieu qui fera cela. Que l'église est comme un achèvement. L'église arrive à l'achèvement. L'église est à l'achever. L'église soit achevée. Dernière réaction et salama. Et dernière réaction est Dieu lui-même a achevé son œuvre. Achève son œuvre. Et pierre angulaire est à la poser. Et la pierre la pyramide. À la pyramide. Maintenant, pyramide est à coiffer. Est à coiffer. Maintenant, la pyramide est à coiffer. Frère, je vous prédis. Je vous prédis. Pas une vision. C'est pas une vision. Je n'ai pas un songe. C'est pas un songe. Je n'ai aucune prophétie. Je n'ai aucune prophétie. Mais je vous prédis. Mais je vous prédis. Moi-même. Moi-même. Attendez, vous allez voir. Beaucoup de choses vont vous dire. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de gens s'étaient. C'est pas moi qui puisse se faire montrer. Attendez, vous allez voir. Mais nous, tout garder la parole. Gardons la parole. Demeurons dans la parole. Mangeons la nourriture qui est garnie sur la table. Mangeons la nourriture qui est servie sur la table et sur la table. Ne mange rien d'autre. Spécial ne crois pas une autre personne soi-disant spéciale qui vient. Oh, toujours je l'esprit de Dieu. Celui que nous attendons maintenant seulement l'esprit de Frère Dieu. Frère Branham
Branham attendait quelqu'un après lui. Avant l'achèvement, Branham attendait quelqu'un après lui. Avant l'achèvement, Branham attendait que Mutumoko Goya Simanaye pour continuer dans le message. Mutuango Asia Yaki, Asia continue dans le message. Aouti Koshini Samosala, Jambé Longorie, Akeko Pema, Atikeri Bisho message. Il a laissé le message. Et message Wana, Erimu Yanjambé Zawana. L'esprit de Dieu est là. Mbona Kokamba Bisho, Kino Pierre de Fête est à la poser. Parce que la pierre de Fête. Kino l'achèvement. Nous en avons besoin. Nous n'avons pas besoin de notre grande personnalité. Il viendra faire quoi? Elle viendrait faire quoi? Parce que c'est son temps. Celui que nous avons. Celui que nous cherchons. Celui que nous confions. Nous sommes maintenant viens. Viens achever ton œuvre. Tinda elimu na yo. Pour réveiller milimu na biso. Nos esprits. Et mon amour qui église épouse bon salama. Afin qu'un lieu le réveille. Et nous voyons aux côtés de la mitema. Et comment tant y a dit au bimana monoko. Cette parole la sort. Tobanda koloba pe biloko bi salama. Tobanda koloba pe biloko bi kelama. Tobanda koloba pe bakouvi basse quoi. Et karamingite. Nantango yango. Ya bokuse. Bakouvi kati na kriso bakose kwa liboso. Bisoboto tikali na baboy. Nous qui sommes bon, pas la moussala yango, oyonjambe akosala na nzana biso, mushikate tokobongwana. Nous serons transmués. Et nambala moko, mapata makoya. Les nuées vont venir. Alléluia. Et bon moko na moko akoto na lipata na ye. Pe banselongo. Tous ensemble. Tokoneto la ma. Bon akokuta na nkolo. Kati na mi pepe. Croyez-vous cela? C'est ce que nous attendons. Nous attendons. Amen. Rien d'autre. Et frère, vous savez. Frère, vous savez. Vous savez, t'as regardé une chose. Regardez une chose. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. C'est à ce moment-là, Nzambe akosopa elimu na ye. C'est à ce moment-là que Dieu va reprendre son. Oui, bien ami, pluie de la première. Qui est appelée la pluie de la première. Et de l'arrière saison. De l'arrière double portion wana. Double portion. Quand Nzambe akotina yango. Quand Dieu la verra. Baringa mbikati na nkolo. Dans le Seigneur. T'as l'air salam. Regardez ce qui aura lieu. Yangonde ototangaki mokolo okuna. C'est ce qu'on a lu ce jour-là. Oyo Paolo akomelaki ba Hébreu. C'est quoi Paul a écrit aux Hébreux? Ah, wana chapitre 12. Ici au chapitre 12, na verset 26. Au verset 26, au moni, voyez-vous, na 27e, et bon, 26, alobi boy. Il dit ceci, alobi, lui, et lui, ne refusons pas de l'écouter. Ne refusons pas de l'écouter. Non. Non, non. Ne refusons pas de l'entendre. Ne refusons pas de l'entendre. Ne refusons pas d'entendre celui qui nous parle du haut des cieux. Celui qui nous parle du haut des cieux. Parce qu'il est lui, dont la voix ébranla alors la terre. Ébranla alors la terre. Et qui maintenant a fait. C'est toujours lui qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Natango ko nuki sambula wana. Jambe ko ningi sambala moko lisusu mabele. Je vais faire reparler une fois encore la terre. Natango ko ningi sa mbala moko lisusu mabele. Et ko zalaka mabele te ko ningi sa pe na lola. Pas seulement la terre mais les amas. Mabele na lola ma ko ningana. La terre et le ciel seront ébranlés. Nyo somi balé. Tous les deux. Est-ce que ça pour elle? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça pour elle? Est-ce que c'est clair? Ces mots. Ces mots. Maloba oyo. Ces mots. Mbalamoko lisusu. Une fois encore. Ezali kotali saete. Mbongwa nango. Le changement. Ya biloko bininganaka. Des choses ébranlées. Lokola kozalaka kosala mampona ntango moko. Comme étant faite pour un temps. Nantinete. Afin que. Biloko yo bininganaka te. Les choses inébranlables. Biko kako umela. Existe. Même Bokonji. Même le royaume. Le royaume. Oh, ya koningana elongo. Le royaume est branlable. Pour tous soit Bokonji ou boningana kate. Un royaume il est branlable. Bon moi ya koningana bolongwa. La vie branlable. Tout soit bon moi yo eningana kate. Une vie inébranlable. Alléluia. Amen. Donc biloko nyonso biko ningana ningana. Toutes les choses. Iko longola matango njambe ko ningisa. Quand Dieu va ébranler. Oh, biloko yo bije ko umera bitika la wana. Les choses inébranlables. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? C'est ça la dernière réaction. C'est ça la dernière action.
Par la dernière action, ma belena lola ma koningana. Par la dernière action, les cieux et la terre seront ébranlés. Yangonde tokotanga lisuzuawa. Nous sommes encore ici. Oui, frère. Oui, frère. Ezande bongo. C'est comme cela. Version yo batire ango na AG. Sokotanga na AG nyo kokuta kuna. Si tu lis dans AG, tu vas trouver ça. Et ezalaki ne bonne dernière action. C'était par rapport à la dernière action. Et qu'on sera mandé awa na achèvement de l'église. Ça sera ici dans l'achèvement. Par l'esprit de Dieu. Par l'esprit de Dieu. De ma belena lola ma koningana. Alors que les cieux et la terre seront ébranlés. Et balinga mikati nankolo. Bienvenue dans le Seigneur. Encore. Encore. Soko ye awa. Si tu viens ici. Okokuta eloko moko lisusu ezali awa. Tu vas trouver encore quelque chose ici. Yangoyo na Ezaïe. Ezaïe pe aloberaki yango. Ezaïe aussi en a parlé. Ezaïe aloberaki nini? Qu'est-ce que Ezaïe a dit? Ezaïe aloberaki nini baninga? Qu'est-ce que Ezaïe a dit, chers amis? Kala. Regardez. Ezaïe alobaki boy. Ezaïe a dit ceci. Na Ezaïe chapitre, je crois, 28. Je crois Ezaïe chapitre 28. Aloberaki nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Ezaïe alobaki boy. Ezaïe a dit ceci. Alobi. Il dit. Oui, oui. Oui, oui. Na chapitre 28. Au chapitre 28. Ok. Na verset 21. Au verset 21. Alobi car. Il dit car. Yahvé. Yahvé. Se levera. Se levera. Alléluia. Yahvé à côté les ma comité les missa. Yahvé se levera. Lokolo chikolo on a né avant de govanda. Mais karabing était à comité les missa. Très bientôt il va se lever. Alobi car l'Éternel. Dit car l'Éternel. Jambi Yahweh a commis Télémissa. Car l'Éternel se levera. Lokola Nangomba ya Peratim. Comme à la montagne de Peratim. Beaucoup connaissaient de l'été, on a signé à Gombala Moko. Parce qu'une fois, cette prédication, je l'ai déjà tenue une fois. Et encore. Et encore. A Kosulika. Il se mettra en colère. Voyez. A Komisilikisa. Il se mettra en colère. Lokola Katina Lobwa Kouya Gabao. Dans la vallée de Gabaon. Ndenantango Angomba Belena Lola Makoningana. C'est à ce moment-là que le ciel et la terre. Tango Yahweh a commis Télémissa. Quand l'Éternel se lèvera. Lokola Nangomba ya Peratim. Comme à la montagne de Peratim. Tango ya Komisilikisa. Quand il Lokola Katina Lobwa Kouya Gabao. Comme dans la vallée de Gabao. Mais quand ça n'a pas la nini. Pour faire quoi? Parce qu'il y a Govana du Souti à commis Télémissa. Quand il ne cessera plus, il va se lever. Pour ne consala Moussala Naye. Pour faire son œuvre. Pour faire son œuvre. Moussala Naye Yakoka Moussa. Son œuvre étrange. Voilà. Amen. Amen. Mbona kosala musana ye. Musana ye yakoka musa. Son œuvre étrange. Mbona kosukisa musala na ye. Achever son travail. Musala na ye moyokanate. Son travail inouï. Inouï musala ngo yokomana noté. Son travail inouï, j'ai jamais entendu. Yemoko, awa balobine Yahweh, il a se lever. C'est lui-même qui se lèvera. Balobine est un docteur, un évangéliste, un apôtre, ni un prophète. Ni un prophète. Yahweh lui-même se lèvera. Yahweh lui-même se lèvera. Kalamingite atika di moke atelema. Sous peu il va se lever. Mbepo asala musala naye. Pour faire son œuvre. Musala naye ya kokamusa. Son œuvre étrange. Asala musala naye kokisa yango. Asukisa musala yango. Musala moyokana na noté. Un travail inouï. C'est une œuvre inattendue. Inouï, batuba yokate. Les gens jamais. Batuba kokamo na musala yango. Les gens sont étonnés par cette œuvre là, son travail là. Tango ako sukisa yango. Quand il l'achève. Tango ako accomplir yango. Azako achever yango. Il l'achève. Pleinement. Pleinement. Et totalement. Et totalement. Et balinga mikati na nkolo. Et bien mais dans le Seigneur. Yango nde omoni. C'est ce que tu dis. Abakouk. Abakouk. Parce que ce qu'on tangi bisikoi, bisikoi tolobi bangombo ya tangi na lobwak. La vallée qui lobwak koyo, ngombo ya zo benga ya Peratim. La montagne de Peratim. Ezali ngombo yo David. C'est la montagne. Apalanganisaki banguna. David avait dispersé les ennemis. Mapinga ya ennemi. Les armées étrangères, les ennemis. Oyo nzambe lobaki na ye. Ko bundana no te fanda tranquille. Ne combat pas encore, reste tranquille. J'ai la tango yoko yoka makelele. Attaque chanda. Ya makolo na Yahweh. Dikolo ya banjete sur les arbres. Et David est avant quoi na? Et David est resté. Musikate ayoki lokola mutu moko azo tabola dikolo ya bakasa. Pas pour longtemps entendu comme quelqu'un qui marchait sur des feuilles. Aso soli ke Yahweh wana teremi. Il a compris ce l'éternel. Mais comme tango ya ko attaquer. Ba to ba ko bundisa biso. Les gens qui sont. Et c'était terrible. C'était terrible.
De la même manière. Ça sera comme dans la vallée de Gabaon. Qu'est-ce qui s'est passé à Gabaon? Na Gabaon, Zaki Bitumba. Général Josué. A Bundaki na mapinga ya ba Gabaon. A combattu avec les armées Gabaon. Et baringa mikati na kolo. A bundi, a bundi, a bundi, a bundi, a bundi, a bundi. Il a combattu. Moussola est sira qui n'a noté. L'œuvre n'était pas encore achevée. Et c'est là qui a achevé. Achevé combat wana. Achevé bataille wana. Ata la boye. Moliria bandikoya. La nuit comme ça. Boutoué linge yinda. La nuit comme ça. C'est quoi ça? Abalouke. Atomboli miso nikolo. Il lève les yeux. Alors, mais soleil. Dis soleil. Arrête. Arrête. Arrête-toi. Arrête-toi, soleil. Même la lune. Même la lune. Stoppe là-bas. Stoppe-toi là-bas. Il faut que tu arrêtes ta course. Il faut que tu arrêtes ta course. Et que la lune t'attend. Et que la lune t'attend. C'était le soir. Il faut que l'œuvre soit achevée. Est-ce que ça pour est-ce que c'est clair? C'est comme ça ma belle na lola ma koningana. Est-ce que la terre et le ciel seront ébranlés? Bah tu pas moi yo tozo monana. Ville personne que ma koningi sa Kinshasa. Quand tu ébranlé Kinshasa. Ma koningi sa Congo. Ils vont faire bouger le Congo. Afrique et koningana. L'Afrique va bouger. Croyez-vous cela? C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Voyez frère. Ouais, frère. Et la Bible dit. Nan na mokolo yango. À ce jour-là. Mutu debu mokile salama. Nani ateremi samoi. Qui a arrêté le soleil? Nani. Qui? Nani ateremi samoi. Qui a arrêté que le soleil? Que moi yezoke na goino lobike. Stop. Le monde va son coucher. On dit stop toi soleil. A changé même heure, ma heure est changée. Même l'heure. Nambra moko e bongwani. Soudainement. Ma heure non suis stoppé. Les heures stop. Ma montre non suis stoppé. La montre stop. Donc on a des makonga y a ba montre nyoso itambula disute. Si toutes les aiguilles ne marchent pas. Itika ni kaka wana butu yinda kate. Ça va bouger. Bazon zera Yoshua si zamosala. Attends que Josué finisse l'œuvre, achève. Et notre Josué, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien le Saint-Esprit qui achèvera son œuvre. Qui achèvera son œuvre. Dieu lui-même. Et puis frère Franck, na vision na ye à Monaco, champ de blé. Dans la vision qu'il a eu de champ de blé. En rapport avec moissonneuse batteuse. En rapport avec la moissonneuse batteuse. Dernière étape ya Monaco Zagenin. La dernière étape qu'il a vue c'était. Tant oiseau mon amboule yindi. Il voyait le. Ma pata malingi ma sopa mai na ma belle. Moi j'étais plus calicane banu ko yokana. Les éclairs se faisaient entendre. Alors Roazaki vraiment na yenda. Il était vraiment bon à faire rentrer la récolte. Il était au volant. La récolte. Alors, mais Seigneur, mais il n'y a plus de temps. Il faut que je rentre la récolte, la boisson. Il faut que et tant que ça, il est vieux. Il y a. Et le quoi, il y a mentionné ce baptême. Et à mon moisson, et mes mamies. Et mes mamies, n'aibélé, béassilis. La moyenne multitude de moissons est très grande. Pas pour longtemps, la pluie commence à tomber. Vous voyez, frère. Musicaté. Pas pour longtemps. Et donc, le tigre a été sauté. Musicaté, mboule, bané. Pas pour longtemps. Il s'est pas passé beaucoup de temps. La pluie a commencé et à tomber. Et le frère Franck. Frère Franck. Déjà, c'est à ce que je me souviens. Il avait déjà achevé son œuvre. Même comme maintenant, mon sonné, c'est baptême. Même mon tigre. Assis à Mata. Il était déjà. Assis à Banda, récorte. Il avait déjà commencé. Il venait de l'achever. Et donc, le tigre a été mboule. La chose qui restait vraiment. Et donc, le tigre a été mboule. C'est seulement la pluie qui reste. Mboule, wana, ne mouli mouya nzambe. C'est l'esprit de Dieu. Et quoi qu'on soit, pas n'a pas n'a pas achevé l'œuvre de Dieu. Pour achever l'œuvre de Dieu. Et mon souhait, c'est Bahame. Moisson, c'est des âmes. Bateau, parce que vous allez sauver Nandela, ministère de Frère Franck. Le ministère de Frère Franck. Bon, tout est. Alors, levons-nous. S'il vous plaît. Non, la parole de Dieu est bien. La parole de Dieu est bien. Dieu, le bon Dieu. Frère, il y a beaucoup d'écritures. Il y a beaucoup d'écritures, mes frères. Mais Naoyo. Mais par ceci, nous pouvons nous arrêter là. Que Dieu nous aide. L'œuvre qu'il a commencé lui-même. Nous avons des passages à Bible. Nous avons des passages où il a promis lui-même qu'il viendrait l'achever.
Et c'est pourquoi Maloba Yasuka, frère Franck. Quoi, les dernières paroles de Frère Franck. C'est quoi dans la lettre qu'on nous a lu? Les alliés d'un colo na boutouane ya bande gomi tungisa. C'est que le Seigneur, dans cette nuit-là, il s'inquiétait. Frère Franck s'inquiétait beaucoup. Franck s'inquiétait beaucoup. Au sujet de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et qu'on soit la mandingue ni le Seigneur. Comment, Seigneur? Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a parlé. Dans son cœur. Dans son cœur. Il ne faisait que lui parler. Il faisait que lui parler. Toute la nuit. Toute il lui parlait toujours. Le Seigneur lui parlait toujours. Que mon serviteur. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Moi-même. J'achèverai mon œuvre. J'achèverai mon œuvre. Avec une grande victoire. Avec une grande victoire. Et dans la gloire. Et dans la gloire. J'achèverai moi-même. Vous voyez ici la victoire. Vous voyez ici la victoire. Il y a David. De David. Du Kouroya Batoua. Sur ces gens-là. Victoire, il y a Josué. La victoire. Du Kouroya Bagabon. Sur des Gabon. De la même manière, le Seigneur lui-même. De la même manière, le Seigneur lui-même. Achèvera son œuvre. Achèvera son avec une grande gloire. Avec une grande gloire. Une grande victoire. Une grande victoire. Une victoire glorieuse. Une victoire glorieuse. Il l'achèvera avec qui? En nous utilisant. Il n'a pas d'autre. Avec lequel il fera l'œuvre pour que les cieux et la terre soient ébranlés. C'est pourquoi mettons-nous à sa disposition. Le Seigneur, nous voici. Yamba kabiso. Sois-nous. Bongisha kabiso. Et utilise-nous. Amen. Amen. Alors chacun à se purifier, à se conserver pur. Se conserver pur. Nous, je t'ai dit qu'on soit en accord avec les critiques. Il n'y a plus de temps pour ces choses-là. Il n'y a plus de temps la cigarette. Un enfant de cigarette. C'est pas un ivrogne. Mais en fait, je ne peux pas continuer à être voleur. C'est prostitué comme être adultère. Non. Nous devons expérimenter la délivrance. Nous devons expérimenter la délivrance. Et que ça soit une délivrance totale. Que ce soit les lèvres, soit les lèvres. Nettoyez. Voyez, frère. Les cheveux de même. Balinga bigati nankolo. Mulatu na biso ndenge moko. Bakani si ndenge moko. Mitema ndenge moko. Peto, pur. Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus nous a lavés. Il nous a nettoyés par son sang. Et il a amené pour toujours ceux qui sont sanctifiés à la perfection. Croyez-vous cela? Demeurons sanctifiés. Demeurons, restons sanctifiés. Banani baza sanctifiés. Qui sont sanctifiés? Alors, bon, dit qu'elle est sanctifiée comme vous êtes. Alors, restez sanctifiés tel que vous êtes. Ne vous suivez jamais. Plus jamais. Tikala sanctifié. Reste sanctifié. Pratiquez toujours la justice. Et la sainteté. Partout bozo tambola. Boke banabiroko bozo nyata. Boke banabakiti bozo vanda. Pour bozo propre. Vous êtes propre. Donc boya ko koma na salité. Que vous deveniez sale. Même dans ma solo na bino. Soko moto ye ko tala yo ke bana ma solo za ko bete na yo. Donc ya ko suyé yo. Attention aux causeries. Parce que osa déjà sanctifié. Croyez-vous cela? Prions le Seigneur. Oh, Nzambe. Bako kana kana yote. Kasio ya kapoko kana. Mbe, oye, osale la biso bon. Poko biso nous soa possibilité. Ya koko kana na yo. Merci.
Thank you.
réjouissons. Nous savons que tout ce que tu commences, tu amènes cela à l'achèvement. Tu as commencé ton œuvre, et tu l'achèveras aussi. Oui. Notre Dieu, toi tu ne mens point. Tu es Dieu. Tu es éternel. Alléluia. Oh, balinga mikati nankolo. Iroba nzambe lizakito. La parole de Dieu merveilleux. Et encore. Éternel. C'est ce que ton serviteur t'a répondu. Éternel. J'ai entendu. Ce que tu as annoncé. Et nous venons d'entendre. Ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Et nous sommes saisis de crainte. Parce que nous avons entendu. Et nous venons d'entendre. Ce que tu as prédit, ce que tu as annoncé. Ce que tu as prophétisé. Au sujet de ton œuvre. Ton œuvre étrangère. Et ton œuvre inouïe. Et tu nous l'as annoncé. Et nous sommes saisis de crainte. Maintenant, ce que nous te disons. Comme Abakou. Accomplis ton œuvre. Achève son œuvre. Accomplis ton œuvre. Dans le cours des années. Ô éternel. Dans le cours des années. Manifeste ton œuvre. Nous voulons que ton œuvre soit manifestée. Par toi-même. Alléluia. Amen. Oh, enfant de Dieu. Le frère Mamonga. Maman. Patrick Yakouya Robondela. Il peut venir prier. Père de grâce, notre Dieu. Tata Yangolu, Nzambe Nabiso. Nous nous estimons encore heureux ce matin. Tous allez comme mon alisusu bapambo amena tongo yalelo. De nous avoir parlé au Dieu. Nakusira koloba nabiso onja. Merci pour ta parole puissante qui est sortie ce matin au Dieu. Matondo pona dilobana yo yanguya libimina tongo yo. Merci pour ton œuvre de rédemption au Dieu. Matondo pona musala na yo nkolo. Et nous nous attendons tout simplement à toi. Car de nous-mêmes, ô Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Mais nous comptons tout simplement sur ta grâce. Ô Dieu, regarde ton peuple réuni ici. Merci d'avoir déposé encore ta semence, ô Dieu. Laisse que ta semence puisse germer. Afin de porter une fruit digne de repentance au Dieu. Bénis cette congrégation. Bénis les bergers. Pambula mukengeli. Pambula pe banso baye bakusunga musala oyo nzambi na biso. Oh Dieu tout puissant. Nous nous estimons heureux. Sois glorifié dans nos vies. Et que toute la gloire te soit rendue. Dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Be alleluia. Alleluia. Be hosanna. Hosanna. Toba nano kembo na nzambe. Gloire à Dieu. Togo ko van. Bonne rasoir. Nguya kembo. Alleluia. Nguya kembo na lopi. Oh, epaina Yesu. De kwe epaina Yesu. Alleluia. Ah, baso kongola likaboto embela nana. Tope sa yenke mbona. Toko yemba. Ba embela ka mokonzi ndeni. Wo nguya kembo. Kanobi. Ye painaye.
Sœur Dominique, Mama Wango, Ukuwapi. Sœur Dominique, vous êtes où? Elle est l'icolo. Voilà, encore pesambo. Elle est au balcon. Je n'ai pas apporté des transmissions de, enfin, des salutations venant de Belgique, mais moi-même, je vous salue. Parce que le voyage était vraiment très très. Je vous salue au nom de Jésus Christ. Et que Dieu vous bénisse richement. Bwende, kombo nani? Ndeko Bolonga Fulgence. Njambe apambula yo. Ndeko? Ndeko uti Lubumbashi. Ndeko Mubiai. Ah, njambe apambula yo. Ndeko? Wap. Na pointe intérieure. Amen. Jambe à Pamblayo. De Gautina Bukungu et Pasteur Baka. Jambe à Pamblayo. Ma soeur? Amen. De Goye Koya Terling in Ajo. Jambe ya pamblayo. Pastor. C'est elle qui cherchait. Omo ni Frère Dominique oyo ndako na yende efungo makaka bo eposo ku Frère Lida ye akotika taona kana na Belgique ogira zobe nga ye mama wangu dada wana ne mulambe donc ba sœur kuna na Belgique boyo ba yebaka kulambira ngai azali la première donc ayebe benza kulambira ngai soka alambi pene na Brigitte. Alors, est-ce que tu es ambi bango banso quand tu n'as pas besoin de se rendre compte à Jésus-Christ? Voilà, tonda. Jeudi, mercredi, jeudi et vendredi, qui te cause à la toya. Alors, papa, il y a ce bobimi, besoin de mouquet pour bomber la massanga, mais il y a soukali.
Obemai. Dance.